c'est ce début d'année 2020, c'est l'année de la déception. Quoi. C'est, on espère que ça va clairement, s'arrêter ouais. rapidement quand même, sinon ça va vite être chiant. Ça dépend, il y a aussi des bonnes nouvelles. Ouais, The virus. Witcher qui était sympa. Il y a le speedrun barrière show. Ouais, c'est pas mal. Le live. Quoi ah c'est quoi ce rire? Oui, Hugo? J'ai rien dit. Bah, voilà, voilà, c'est bien. Allez, next. Salut la commune! Now we're here! Il s'en passe des trucs en un an, hein. Pouf, incroyable. La vache. Non, c'est marrant de dire putain, l'année elle commence mal pourvu que ça s'arrête et puis de voir toutes les merdes qu'on a eues dans le reste de l'année. C'était finalement un signe. C'est un signe de pandémie. Encore une fois, hein, quand un truc va bien se passer, apparemment j'ai du nez, quoi. C'est pas une bonne nouvelle. Bref, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Bienvenue pour ce récap, les amis. Il est 18h30, un petit peu plus là. 31 et 20 secondes et on est prêt pour eh bien 2 heures de folie avec notamment un petit quiz enfin d'émission puisque la Gise nous a préparé ça. Ouais, enfin David a écrit encore une fois, il vous a entendu. Sachez-le, français, française. Il y a que plus de musique. Oh non. Non, il y a moins de musique en tout cas. Je me suis occupé d'écrire le quiz mystère aujourd'hui également comme toutes les semaines à l'accoutumée. Et je rajouterai que David a également fait une petite infographie récapitulative. Oh là là, ça. Depuis 2021 seulement, parce que Erwan, c'est vrai que l'an dernier, souvent, bah, tu pouvais pas être là mardi, etc. Et on s'est dit, ouais, c'est... il est là. Il est là. Et du coup, vous voyez un petit peu qui sont les meilleurs actuellement, qui est le meilleur classé sur les quiz. On diffusera ça pendant le quiz juste avant. C'est Yoann qui a l'info. Voilà. Effectivement, c'est bien Erwan qui est à côté de toi. Comment ça va? Oh le reveal. Je voulais faire un petit happening en début d'émission. Voilà, ça fait 3 semaines que je bosse dessus. Et je suis pas mécontent, je vous le dis tout de suite. J'embrasse mon metteur en scène, Johan. Merci, Johan. Bravo. Hein, voilà. L'avenir vous appartient, mon gars. Ça va très très bien. Ça va bien. Et puis, oui, non, ça va très bien. T'as fait des ingrédients de ton week-end ou pas? J'ai pas fait grand chose ce week-end. Qu'est-ce que j'ai fait? Tease-nous juste. Non, rien, j'ai rien branlé. J'ai fini Son of Anarchy et la fin d'un enfin, saison est d'une puissance. Du coup, tu chies toujours autant sur les motards? Non, mais je chie pas sur les motards, c'est pas mon délire. Non, mais je tenais à en reparler avec toi. C'est juste pas mon délire. Non, mais je dis ça parce qu'ils sont venus chez moi, ça cache mon appartement. Donc bon, je viens à peine de le remettre en ordre. S'ils pouvaient éviter de revenir me... Non, mais pas du tout. Mais de toute façon, cette série va bien plus loin que les motards. D'ailleurs, tous ceux qui l'ont, il y a plein de gens qui ont kiffé cette série, qui je parle et qui sont loin du monde des motards. Donc c'est une série qui dépasse largement le cadre des motards. C'est juste un point de départ. Très bien, merci. Merde, j'ai cru que c'était Marie. Et hein, des fois, on est surpris. Hein. Les physionomistes, incroyable. Xari, comment ça va? Tranquille. Bon, hier, il y a eu l'histoire du vélo. Aujourd'hui, je me suis fait livrer. Une gonfleuse automatique de chez Xiaomi, évidemment. Et j'étais en appel quand le mec arrivait, donc je lui dis pose ça sur. Pose ça. Le tutoyer. La boîte aux lettres, quoi. Ouais, je l'ai tutoyé. Il m'a dit ok, je suis redescendu 5 minutes plus tard, pas de colis. Bien fait. Bon, bah voilà. Est-ce que y a le beau. Attends, du coup, là, tu l'as renvoyé ton vélo? Quelqu'un l'a. Non, pas encore, il est là. Il est stocké. En gros, je dois attendre qu'ils me relivrent le prochain, et quand ils vont me relivrer le prochain, je vais leur donner celui-là. D'accord, ok. Mais c'est pas un partenariat, tu l'as payé de ton plein gré. Ah oui, je l'ai bien payé. Et je suis bien. De chance. Ça. En fait, la meuf, quand je l'ai appelée, elle m'a dit vraiment on vous le renvoyez. Et puis voilà, j'étais en mode oui, mais en fait, je m'en fous, moi. Je veux juste mon vélo. C'est-à-dire que renvoyer, ça, c'est très bien. Je suis prêt juste à donner moi mon vélo. Et elle m'a dit ah, mon oui. Vélo. Et bah, mon vélo. Il faut échanger, machin. Enfin. Oh la vache, le bordel. En tout cas, c'est en fait, j'ai juste perdu une semaine, quoi. Ouais, mais je pense pas que ce soit Décathlon le problème, vraiment. je pense pas non plus. C'est vraiment le livreur qui m'a appelé. C'est un petit problème de livraison, là. Ouais. Ça me rappelle quand j'avais commandé la collector de RE3 pendant le confinement et j'ai reçu le jeu d'échecs officiel Harry Potter ainsi que le Monopoly de Stranger Things. Ça m'a fait plaisir, tu vois. Du coup, je suis allé chercher le vélo de Xari en bas, puisqu'il était livré à Webedia. Du coup, j'arrive en bas, le mec me fait « Ah, c'est pour vous, c'est le vélo ?» Je fais « Non, c'est pour un collègue, mais juste comme vous ne voulez pas monter les escaliers, ben, je vais le faire, en fait. » Et le mec voit tous les Vélib devant et fait « Et pourquoi vous prenez un vélo ? Il y en a plein. » C'est pas les nôtres, en fait, juste. Et puis, ça ne me regarde pas, c'est pas pour moi, je m'en fous. Donne-moi mon vélo, en fait, genre ta gueule. Mon vélo. C'est pas drôle. Il me file le truc et donc il fait « Attends, je dois prendre une photo. »
Donc du coup, je lui tiens le machin. Et tu sais, il attend, il fait « mets le pouce ». Je fais « bah non, attends, en fait, non, je suis pas... » C'est un abonné ou c'est le mec qui nous donne les colis ?« Je suis pas pitre, en fait !» Donc non, il fait « vas-y, mets le pouce !» Et en fait, ça, s'il te plaît. Et en fait, comme j'étais en mode, j'avais juste envie qu'il prenne vite sa photo et qu'il se casse, j'ai fait « allez, vas-y », il me fait « mais non, je déconne !» Prends ta photo que je me casse, enculé. J'étais en mode, putain, infâme. Attends, mais c'était qui? Ben, c'était le livreur. Ah, c'était le livreur. Le livreur, infâme. Infâme. Incroyable. Là, je te jure, c'était incroyable. C'est tellement marrant quand c'est gouré de carton, le con. Et quand tu vois qu'en plus, il se gourde de carton, ouais, tu te dis, bon, les vannes, commence par faire ton taf, on verra après. Ça aurait dû prendre une photo aussi. Mais, c'est ça. Pas pour rigoler, je te le dis. Hugo, comment ça va? Bon, ça va très bien, Max. Moi, j'ai eu un week-end aussi peu trépidant comme mon acolyte ici présent, qui ne ressemble plus à rien avec ce bonnet. Je préfère quand tu te dévoiles au grand jour. Voilà, merci. Ça, moi, c'est je trouve bien. T'es beau gosse. Sinon, c'était un peu un fashion faux pas. Tu fais ce que tu veux. Ah voilà, ça me rassure un peu quand même. Mais, bon, mais je veux pas contrarier Hugo. Et... voilà. Merci. Hugo, d'ailleurs, on va parler évidemment jeux vidéo tout à l'heure. Et il y a eu une news quand même qui a fait un petit peu parler dernièrement avec Stadia qui... Oh putain, j'ai oublié d'en parler. Non. J'ai oublié de le mettre. On en parlera. On va en parler. C'est en mode. Ah si, c'est bon. Ouais, c'est bon, je suis con. C'est juste que j'ai fait ça hier soir, du coup, j'ai oublié. Ouais, Stadia, c'est compliqué. On va y revenir, évidemment. On vous expliquera un peu tout. Juste après, avant ça, évidemment, on va revenir sur le week-end. Jingle. Et donc, on va commencer par le week-end d'Erwan. On va commencer par les week-ends tranquilles. Et puis après, on va aller attaquer Jiraya au flanc. Erwan. Alors moi j'ai passé un week-end tranquille, contrairement à mon club de cœur de football qui est l'Olympique de Marseille, où j'attendais gentiment le match le samedi soir de mon équipe et finalement qui n'a pas eu lieu puisque je ne sais pas si vous avez vu, les supporters sont venus au stade d'entraînement tout arraché. Donc voilà, donc déjà j'ai vu ça un petit peu avec un peu de tristesse, mais au sens général du terme, hein, pas juste pour les agissements, mais parce que travers ce club-là depuis trop longtemps, notamment parce qu'à sa tête il y a des clowns. Donc voilà, ça m'a un petit peu contrarié. J'ai fini donc du coup ma saison. Et puis je me suis dit, tiens, le samedi soir, j'avais envie de cuisiner. Oh non. Et je me suis fait une pizza maison. Oh, comme risotto chaud. Sans prétention. Une petite reine, champignons, fromage, jambon. C'est régalé. Ah ben écoute, c'était pas si dégueulasse que ça. C'était même plutôt bon. Alors je pense qu'il me manque encore 2-3 petits trucs pour que ça ait un vrai goût de pizza. Vraiment celle la qu'on pâte. Achète, mais non, ah, j'aurais dû mettre de la pâte peut-être. C'est ça. Qu'est-ce que t'as mis? Voilà, ça m'a occupé. Attends, qu'est-ce que t'as mis? Hein, qu'est-ce que t'as mis? Alors j'ai acheté une pâte, j'ai mis sauce tomate qui est dessus. Qu'est-ce que j'ai pris? Un petit filet d'huile d'olive. J'avais un peu. La sauce tomate, j'ai fait d'abord revenir avec des oignons dans une poêle. Après, je l'ai mis sur la pâte. J'ai mis du jambon, j'ai mis des champignons, du fromage, très bien, ça. Un petit peu d'origan, et j'ai balancé ça au four, c'est ressorti. Oh, putain, c'est un homme à marier, ça. À qui le dis-tu? À qui le tour? Ma mère est plutôt d'accord avec ta théorie. Le problème, c'est que toutes les autres femmes ne sont pas d'accord avec cette théorie, donc c'est plus compliqué. Mais du coup, je me suis fait ma petite pizza devant la fin de ma série, et puis honnêtement, je me suis dit... Ah ben écoute, c'est bien de vieillir aussi des fois. Eh ben t'as bien raison. On se régale au calme. Ouais, tu vois, un truc il assez plaide. Simple. Et le dimanche, j'ai rien branlé. Vraiment, tu vois, ça me revient même pas en... Alors, je voudrais revenir un peu sur ce truc autour de... Non. Sur ce mot. Vraiment sur le mot. Sur l'OM, justement. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ça? Pourquoi ils se sont vénères, les supporters? L'OM traverse un peu une crise depuis pas mal de temps maintenant. Ils ont été rachetés il y a 4 ou 5 ans par un Américain qui s'appelle McCourt. Et qui a mis à la tête du club, donc à la présidence du club, un Jacques-Henri Hérault, le dénommé, et qui est tout simplement le pire président de l'histoire du club. On sait que Marseille a une histoire quand même... Tragique. Non, mais une belle histoire du football, avec des hauts et des bas, certes, mais c'est quand même un club historique avec des supporters forts derrière, qui a une histoire, qui a une longue histoire avec un palmarès, tout ça. Et ce mec-là ne fait que des erreurs de com' terribles. Ensuite, sportivement, les résultats ne sont pas bons. Part aussi des décisions qui sont plutôt compliquées. En fait, il n'y a pas de capitaine à la barre de ce club, que ce soit dans les bureaux ou sur le terrain, où les joueurs sont tous sauf exemplaires. Hein. Notre censé meilleur joueur, il a un bide énorme et il passe sa vie à s'embrouiller sur Twitter plutôt que d'être un leader sur le terrain. Et il y a eu un ras-le-bol général, mais qui, honnêtement, qui s'accumule depuis presque 2 ans, j'ai envie de te dire. Et puis, il y a ce mépris de ce président-là, qui s'appelle donc Jacques-Henri Hérault, qui méprise les,
le Marseille, sa ville, son histoire et ses supporters en disant par exemple qu'il y avait. Pourquoi il est pourquoi il est président de ce truc? Ah, mais parce qu'il prend 160 000 euros par mois et et donc bah oui, oui c'est des prix, oui c'est des messes. Ça j'aurais dû m'intéresser au foot. Et donc ouais. Ouais mais je suis pas sûr que le foot se serait intéressé à toi. C'est clair. Exact. Et du coup tu vois, c'est un mec qui a fait des déclarations notamment en disant qu'il y avait trop de Marseillais au club, ce qui est quand même un comble, hein, parce que quand Marseille perdait le week-end, ben le lundi, ça influait sur l'humeur des gens qui étaient un petit peu déçus que le club ait perdu. Ouais, mais c'est ça, Mino. C'est ça, Marseille, l'OM. C'est ça, Mino. Marseille, c'est ça. On vit pour notre club. Et si ça, tu l'as pas compris, il faut que t'ailles ailleurs. Donc il y a une vraie cassure sur l'histoire, sur ce qu'est Marseille. Ce mec-là ne sait pas ce que c'est. Au-delà du fait que ce soit un mec de Paris, c'est un mec qui a fait des grandes écoles. C'est un technocrate. Et ça parle pas aux Marseillais qui est une ville populaire. Ça parle pas. Et puis donc, mais quand t'as des résultats et que les mecs font l'effort de s'intéresser à cette culture-là, ça peut marcher. Là, c'est pas le cas. Il est hautain, il est condescendant avec ces gens-là. Et au bout d'un moment, frère, on est chez nous, donc on t'a mis le feu. Voilà. C'est Marseille, bébé. Tiens, Erwan, je te demandais d'écarter un petit peu ton micro. D'écarter un peu les cuisses, s'il te plaît. Exactement. Ah, mais non, je crois que c'était à 19h. c'est juste donc, après. Donc après, on peut condamner évidemment la manière, les violences, tout ça. Mais Marseille est un contexte à part. Alors, j'ai pas les commentaires là, mais je les imagine déjà chez certains dire on peut pas donner du crédit à la violence, à ces actes-là. Évidemment. Il n'empêche que moi, j'aime bien aussi me poser la question de dire quand des gens passionnés d'un club, amoureux de ce club depuis des générations, arrivent à des extrêmes comme cela, pourquoi on arrive à des extrêmes comme cela? Qu'est-ce qui a fait que c'est pas juste, ils n'ont pas perdu le dernier match et, tu vois? Alors oui, c'est un excès parce que Marseille est une ville d'excès. Maintenant, pourquoi on en arrive à des choses comme ça? Pourquoi on arrive à haïr des joueurs, à détester des joueurs à ce point-là dans les comportements? On n'a pas su remettre aussi en place, parce qu'il n'y a pas de patron, il n'y a pas de capitaine du navire pour dire à Payet, mon frère, tu as 15 kilos en trop, ben, tu es un joueur de foot, tu prends 600 000 euros par mois, ce n'est pas normal. Et en plus, derrière, tu vas gueuler parce qu'il y a un mec qui prend plus que toi, il y a des guéguerres. Voilà, tous ces mecs-là, il y a plein de choses qui sont sorties, qui ont mis la haine aux supporters. Et en plus, ben, le foot quand même et le sport, ça marche au résultat. Et quand tu n'as pas de résultat, eh ben, ça fait un peu beaucoup. Et là, les Marseillais ont dit stop, on en a marre. Et tout ce que veulent les supporters marseillais aujourd'hui, c'est que McCourt vende le club. Et qu'il y a un nouveau racheteur et qu'on tourne cette page et qu'on en ouvre une nouvelle. Parce est-ce qu'il a envie de vendre? Après, c'est parce que c'est est-ce que le club est rentable? Je veux dire, peut-être qu'il a pas de résultats, mais je veux dire, ça vend des maillots, ça vend des places dans les stades. Mais Marseille, c'est pas un centre commercial. Même si le Stade Vélodrome malheureusement est devenu un petit peu un centre commercial autour, en tout cas, l'OM c'est quand même un club de sport qui doit avoir des résultats de par son histoire. Mais tu sais, c'est ce qui se passe à l'OM, c'est exacerbé comme d'habitude, mais ça reflète aussi un petit peu où en est le foot français en ce moment. Le Bordeaux a été racheté. Alors Bordeaux, ils sont plus calmes qu'à Marseille, mais ça a quand même pété et gueulé parce que ça a été racheté par des mecs qui connaissent rien à Bordeaux et à son histoire, qui est un club aussi historique. Nantes, pareil, Kita, ça fait des années qu'il est là-bas. Et les Nantais, il y a le jeu à la Nantaise, qui ont une vraie culture football, qui ont eu des beaux résultats dans le passé. Bon, là, c'est une catastrophe. Donc à Paris, on voit les Qataris arriver. Certes, ils mettent alors beaucoup plus d'argent que les autres, mais il y a plein de supporters parisiens depuis des années ben, qui ne se retrouvent pas dans cette culture pas, ouais. Et dans les valeurs qui sont, et dans l'histoire d'ailleurs qui n'est pas respectée par moments chez certains. Donc c'est, le foot français traverse une énorme crise. Je parle même pas des droits télé et de la gestion de la Ligue qui est honteuse. Et si ces racheteurs sont arrivés, j'imagine que c'est parce qu'il y avait un manque de moyens sur l'ensemble de la Ligue, comparé aux ligues anglaises, espagnoles. Ouais, mais c'est un peu l'exemple, tu vois, pour lutter après. Aujourd'hui, c'est un peu le modèle économique du foot français, qui est du foot mondial, qui est arrivé comme ça. Faut mettre, et les Anglais sont les rois là-dessus. On arrive avec des acheteurs, mais du pognon. Et c'est comme ça un peu que ça fonctionne. Après, le Bayern de Munich sait le faire, mais tout en gardant un savoir-faire, une formation et une culture club. Le Bayern arrive à le faire. Manchester a eu un peu plus de mal. United, City met beaucoup d'argent, mais n'arrive pas encore à gagner la Ligue des Champions à l'image du PSG. Chelsea a mis 9 ans. Donc oui, c'est le modèle économique pour aller au plus haut niveau. Il n'empêche qu'au bout d'un moment, tu arrives dans des clubs. Il y a des manières de faire. Et puis, il y a un savoir-faire. Et moi, ce que je reproche à tout ça, et notamment à Jacques-Henri Hérault et à McCourt et à Marseille, c'est qu'il n'y a zéro savoir-faire. Quand tu mets un mec qui ne connaît rien au football, qui, après les émeutes, a dit « Oui, mais Marseille, vous savez, nous, on a récupéré Marseille. C'était le Marseille des 20 entraîneurs en 20 ans. C'est le Marseille des affaires. C'est le Marseille mafieux. » Au gros, mais t'es fou de dire ça. Mais t'es fou. C'est-à-dire que tu chies carrément sur l'histoire du club. Mais non, mais c'est bon. Voilà ce qui s'est passé à Marseille ce week-end. Honnêtement, je suis un peu triste de voir mon club dans cet état-là, et surtout aux mains de ces, de ces, de ces,
de ces imposteurs, de ces brigands. C'est Tartarin. Vous suivez un peu ces Moi, j'ai plus suivi le délire de ça se bagarre. Enfin, ça se bagarre. Ouais, pareil. Oui, c'est le seul truc que j'ai vu. Le joueur qui a été blessé au dos. Il y a moi, je parlais pas. Alvarez, ouais. Alvaro González, pardon. Non, je parlais pour les droits de télé. Touché d'un projectile, ouais. Non, je parlais pour les droits de télé ou Canal+, ils sont en mode on fait pas d'offre, comme ça vous êtes baisés et vous allez nous proposer, entre guillemets, le lot de Bein, machin. Tout le monde disait non, Bein a refusé. C'est toujours pas la Ligue, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont des partenaires historiques, que sont d'abord Canal+, hein, qui a fait de la Ligue 1 à une époque un très bel objet et une marque de fabrique où, ben mais oui, ça valait un certain prix, mais c'est Canal avec la Ligue qui ont réussi à faire ça. Bein est arrivé et ils se sont partagés les choses avec Canal, ils ont continué à faire en sorte que la Ligue 1 soit un bel objet, et derrière, ben, t'es là, t'as ta petite meuf, ça fait 15 ans, 20 ans que tu bosses avec, et puis il y a une meuf qui déboule, et ben tu fais, qui te dit wouh, hop, les autres, ils ont mis un milliard sur la table, ils sont partis sans demander de garantie. Et aujourd'hui, les autres sont partis baiser ailleurs, la Ligue, et on va demander à Canal, qui pour le coup s'est fait faire marron, de remettre de l'argent à hauteur de. Ben non, ça marche pas comme ça. Canal, ouais. Obligé de dire non, mais moi, tu t'es barré, maintenant tu vas assumer. Et c'est ça le problème. Et Canal+, ils ont raison. Même mais si oui, ça hein. fait chier qu'on sait pas. Et on ne sait pas comment le foot, l'avenir du foot va diffuser. Il n'empêche qu'aujourd'hui, le foot français, il y a la chaîne Téléfoot qui diffuse le foot français pour 0€. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, le foot français, il vaut actuellement, vraiment, à l'heure où je te parle, ça n'a pas duré, il vaut 0€. Bravo, messieurs de la Ligue, vous avez géré ça comme des petits gens, des petits businessmen. Mais genre, si jamais ils n'arrivent pas à se mettre d'accord et tout, qu'est-ce qui se passe? Rien. Ils vont trouver un accord. Là, après, il y a M6, il y a France Télé aussi qui propose. M6, TF1 et France Télé ont proposé, il me semble, au début de l'affaire, de reprendre les droits gratuitement. Les gratuitement. Ça ne résout pas trop le problème. Là, TF1, Bein, Canal et SFR, donc RMC Sport, RMC, ouais. n'ont pas participé aux enchères. Et on a Eurosport sur la... J'ai vu un truc comme quoi Amazon, Eurosport ouais. et DAZN. Amazon, ils ne sont pas proposés, on leur a proposé. Mais c'est toujours pareil. Amazon, ils vont venir, ils vont mettre 400 millions sur la table à la moitié d'une saison pour finir la saison. Ça n'a aucun sens. Moi, je suis Amazon. T'es un mec comme Amazon, t'es un businessman. Qu'est-ce que tu vas faire? Non, mais est-ce qu'ils peuvent peut-être acheter la fin de cette saison et la suivante? Après, si Amazon, ils achètent, ça veut dire qu'on pourra faire des watch parties de foot. Respecte le football. En fait, attention, là maintenant, ce qui se passe, du coup, c'est que la Ligue 1 n'est plus à un montant élevé. Donc, ça veut dire que si on l'achète, peut être intéressant et tu peux te placer par rapport à tes concurrents. Mais si t'attends un peu, va encore baisser. Donc là, on rentre dans une phase où... Ah oui, après les mecs sont pas fous. Les mecs sont pas fous. Hein, tout. Si TF1, M6, France Télé, ils déboulent en disant... Mais nous, on le prend gratuit. Aujourd'hui, la Ligue, qui s'était donné un pouvoir bien trop important au moment des négociations avec l'arrivée de Mediapro, donc de Téléfoot, aujourd'hui, ils sont dans une merde noire. Ils sont cata. Et Canal, Bein et RMC, ils le savent très bien. Et donc, ils vont pas leur faire le chèque qu'ils ont envie. Donc, ils veulent récupérer certainement ces droits-là, mais à un prix qui sera pas celui de la Ligue. Mais à vouloir jouer au con, à vouloir toujours vouloir prendre plus d'argent, sans te soucier des gens qui consomment la Ligue 1, tu te retrouves dans ces situations-là. C'est un pur scandale. Si ça arrive à d'autres, je peux te dire qu'il y a des gens qui finissent peut-être avec des procès ou en tout cas qui perdent leur taf. En vrai, ce serait bien, hein, le foot sur France 2. Genre, non, ça serait pas bien. Pour le foot, peut-être. Pour la gratuité, très bien. Pour l'équipe éditoriale, c'est une catastrophe. Et d'ailleurs, en parlant de ça, il me semble que France Télé a demandé la renégociation des tarifs de la Coupe de la Ligue, je crois, pour suivre avec ce mouvement de thunes, quoi. Oui, oui, pourquoi pas, ça tient. Mais en tout cas, c'est un scandale. Je te sens peiné. On sent que ça te... Ben oui, c'est une gestion catastrophique. Hier, dans ce sport, il y avait Samir Hamoudi qui parlait parfaitement de ça. Il lui travaille chez RMC. Quand tu vois comment aux États-Unis on gère la NBA entre les quatre grandes chaînes, entre la NBA et la NFL, tout le monde se partage des matchs en prime time et tout le monde est content et tout le monde graille et tout le monde fait de l'argent, que ça soit. C'est jamais arrivé en NBA ce genre de micmac de problème. Parce qu'en NBA c'est des gens qui veulent du gagnant, qui savent faire du gagnant-gagnant, qui savent tiens toi tu vas prendre ça, mais moi je récupère ça. Voilà, on est avec des vrais gens qui connaissent déjà le sport et des vrais businessmen. Ici on est ici à Montfrance, on est des rien du tout. On est du caca boudin. Oh non, le caca boudin. Il a pas dit. J'aime pas t'entendre dénigrer la France comme ça. Ben moi, je vois des gens. Non, surtout pas l'attaque du caca boudin. Avec des droits du football, avec des droits du football, ce qu'ils ont fait, mais c'est l'incompétence poussée à son paroxysme. Ils ont vendu des droits de la Ligue 1 pour plus d'un milliard à des gens qui ont payé sur le milliard. Ils ont payé 200 000. Ils ont dit, on arrête de payer. Et le foot et leur chaîne, elle continue de tourner. Les droits, les matchs de foot sont diffusés et les mecs disent « Nous, on paye plus. » Mais c'est juste un caprice, en fait. Mais t'as vu ça où, toi?
Mais il n'y a pas de contrat, il n'y a pas d'assurance. Il y a un contrat, mais les mecs ne peuvent plus payer. Ah, ils ne peuvent plus, d'accord. Donc apparemment, il y avait des Chinois derrière qui étaient censés assurer justement les finances. Aujourd'hui, les mecs, ils ont dit, en fin 2020, ils ont dit, nous, on peut plus payer, on ne paye pas. Ça fait 6 mois que tu as les droits. C'est pas au bout de la deuxième année ou un truc comme ça. C'est au bout de 6 mois, les mecs, ils ont dit, 6 mois, il y a un moment, 6 mois en avant, ils te disent, on a 1,2 milliard à vous donner. 6 mois après, tu dis, on n'a plus d'argent. Salut. La ligne n'a jamais vérifié en fait la solvabilité de Mediapro. Non, parce que des Chinois. Ben, voilà. Le truc de la michetonneuse, quoi. C'est ils ça. Ont vu arriver une belle meuf en talons avec des trucs. Hop. Et puis voilà. Oui, j'entends Oula. On dit, ça va. C'est un groupe qui existe depuis une vingtaine d'années en Espagne. Ils ont considéré que ça marchait bien avec le foot espagnol depuis cette vingtaine d'années et que donc ça allait être pareil en France. Ben non, en fait. Non, mais même après, en Italie, ils avaient déjà fait pareil. Il y avait quand même, si tu creusais un peu, tu pouvais trouver quand même quelques interrogations. En tout cas, poser des questions, ce qu'ils n'ont apparemment même pas fait. Et moi, je te dis, si ça arrive au bout de 2 ans, 3 ans, déjà, c'est catastrophique. Mais bon, là, c'est au bout de 6 mois. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas fait une demi-saison. Ils ont fait 10 matchs, 12 matchs. Ils ont dit, allez, on ne paye plus. Mais tu te rends compte ? Ça ne sent pas bon, hein. On verra un peu. Tu nous tiendras au courant de comment ça avance, évidemment, dans les semaines à venir. Ça peut bouger d'un jour à l'autre ou ça va prendre quelques semaines ou quelques mois ? Ben, je pense que ça peut prendre des semaines, voire des mois. Et puis, moi, je pense que Téléfoot pourrait peut-être éventuellement terminer la saison comme ça, donc pour zéro. Et puis que cet été, il y aurait des renégociations parce que le fait est que la compétition continue et que c'est très dur de dire à des mecs tiens, vous avez fait la moitié de la saison sur Téléfoot, maintenant, il faut aller sur Canal, il faut aller sur TF1, il faut aller sur CIF. Enfin, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça, vraiment. Bon. Merci Erwan en tout cas de nous avoir raconté un petit peu tout ça. On y voit un peu plus clair. Moi qui suis pas du tout le foot, en vrai, je trouvais ça assez intéressant. Ouais, de ouf. On a fait le tour du week-end. On redescend. Ouais. Vous m'avez énervé alors que je suis arrivé détendu. Il y aura un quiz. Il arrive en se disant je vais arrêter de parler de tout ça, on va se détendre un peu. Et non, on vient lui remettre. Pense à la streak, Erwan, la streak. Hugo, ton week-end, t'as regardé bon. Du foot un peu non, j'ai pas regardé de foot. J'ai bougé des meubles dans ma maison parce que Emmanuel a eu la lubie de bouger des meubles. Ah tiens. Donc j'ai bougé des meubles, c'était super cool. Attends, elle est arrivée, elle a fait ce serait pas mieux si. Non, elle a pas fait ça, elle a fait. Moi, je suis angoissé. Il faut que je change quelque chose. Donc là, elle a fait des plans et tout. Je sais pas comment on va faire. Changer de mec, hein. T'as pas peur. Ah non, mais heureusement, c'était que l'ameublement, parce que sinon, moi, elle me posait des questions. Moi, j'aurais pu changer de pièce à l'arrière pour l'aider. Mais là, elle a trouvé des trucs. Oh, je vais mettre un miroir comme ça, machin. Ça va être trop mime, c'est tout. 200 balles en plus d'un coup. Oh, c'est d'accord, on va faire ça. 200 balles de miroir. 200 balles de miroir. Non, mais en fait, elle veut faire une fausse cheminée avec des moulures et tout. Vas-y, c'est ton projet. Je te soutiens. C'est ton projet. On va faire ça. J'ai cool. Tout fait. Elle a... Attends. Eh oh. Qui c'est qui a déplacé le haut du map télé, hein? C'est moi. Avec ton aide. Mais j'ai quand même... J'étais là. J'étais dans la pièce. J'ai regardé. Mais du coup, on a fait ça. Et puis après, c'est tout. J'ai joué un peu aux jeux vidéo comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. C'était mou ce week-end. C'est un peu mou. Ah. En termes de rythme. Oui, bande et mou. T'as joué à quoi? Rien du tout, presque. J'ai joué à Tetris Effect, encore. Si, j'ai joué à Control aussi, mais c'est tout. Oh, Control, face. Tetris Effect et un peu de Smite. Un petit Mario Kart quand même. Oh, un petit Mario Kart le dimanche, c'est rentré dans les mœurs, le petit tournoi dominical, j'ai amélioré un peu mon score. Bon. J'ai fait que 22 courses sur 24, j'ai pas eu le temps parce que Nintendo c'est de la merde en ligne. Oui, c'est mais 207 points. Non, 197 sans les deux autres courses, ouais. Et du coup, Ponce, il m'a dit ajoute ta moyenne basse, et du coup, ça faisait un peu plus de 215. Ouais, c'est ton PB, quoi. Bah, donc, mal. Ça va, c'est pas mal. Donc, t'es en PB, ouais. En deux PB. Semaines, c'est ok, je pense que je peux m'améliorer. Là, j'ai regardé un petit peu des vidéos de Nisker sur YouTube. Oh, tu nisques un peu ? Bah, je me suis un peu entraîné en TT, en time trials, comme disent les Américains, et j'ai. Explication de Nisk pour ceux qui connaissent pas. No item shortcut. On dit shroomless d'habitude, mais bon, ça, c'est la génération. Ça, c'est le vocabulaire. Qui dit Nisk alors qu'à l'ancienne. Il y a 10 ans, on disait no shroom, quoi, mais bon, c'est pas très grave. Ça me fait un peu mal qu'on utilise d'autres termes aujourd'hui. Mais... Ça va, je dirais shroomless si tu veux. Tu préfères shroomless ou nisque, toi? J'écoute, hein? Tu préfères shroomless? Un gros nisqueur ou pas? Moi, je nisque énormément. Ah, voilà. On a le terme officiel qui a été. Il est bon, il est bon. C'est complètement validé. Mais bon, c'était un week-end d'amour et d'eau fraîche, basiquement. Et finalement, est-ce que ça fait pas du bien? Franchement, oui. C'est la période en plus. Bah, tout à fait. Piraya. Tout à fait. Ben un peu à l'image, alors un peu, bon, pas autant, mais je me suis décidé de cuisiner ce week-end.
Non, c'est faux. Calmez-vous tout de suite. J'ai pas fait grand-chose. J'ai fait une spécialité à ma femme. J'ai fait les pâtes. Non, une spécialité. Du riz. Des amandes grillées au miel. Ça doit être chaud à faire. Elle connaissait pas. En fait, c'est juste, je sais plus pourquoi on venait à discuter de ça. Et je disais, dans mon enfance, quand j'habitais à Caraguille, à côté de Saint-Laurent-de-la-Cabrerie, c'est dans les vignes qu'on gérait comme ça. On allait chercher un peu les amandes. au château de ma mère, on chopait les amandes et puis après, on allait les faire griller. Puis on rajoutait un peu de miel, on faisait ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est goûtu, on se régale. Un petit soir, tout simplement, très très bon. Je savais ça a pas l'air ouf en vrai comme ça. C'est trop bon, gros. Ça se mange avec quoi? Ça se mange sans faim. C'est des bonbons, quoi. En fait, c'est un peu comme des chouchous, quoi, quelque part. Ah oui, les chouchous. Donc tu fais griller un peu les amandes, là, tu les fais revenir. Après, un petit filet de miel. On rince. Et puis après, tu manges ça avec un petit thé à côté devant le. Elikaku. On rince. Justement, ça me fait mal ce que tu viens de faire sur Elikaku. Excuse-moi, c'est le sketch, non? Oui, mais c'est très mal interprété. Ouais, pour Florent, c'est bon. Écoutez, moi, je défends les gens de chez moi, d'accord? Et Elikaku, qui était au lycée avec mon oncle. Ça, c'est vrai? Oui, il est au lycée Saint-Charles à Marseille, tout à fait. Ah, un frère. Eh ben, si Elikaku nous regarde, hein, c'est très plaisir. Comment s'il y a des télés là-haut, mais... C'est très technique en ce moment. Et puis, je tombais par hasard, il y avait Sélection Eurovision France. Du coup, je regarde très rarement ça parce que ça me fait rapidement chier. Mais comme j'étais en train de faire mes amendes, eh bien, on a regardé une partie. On avait laissée et c'était pas si mal. Il y avait quelques trucs assez sympas. C'est Barbara Pravi qui a gagné, je crois, et qui choix assez logique, je pense. C'est ça. Barbara Pravi. D'accord. Après, c'est les gens de l'Euro dans la tête. Et c'était pas horrible, mais c'était pas ouf. Tu vois, t'avais pas envie d'avoir ça dans la tête. Je sais plus comment il s'appelle. Ah bah oui, Saint-Just. Non, c'est pas. Non, oui, déjà, on était à deux doigts d'avoir Norman sur le plateau. Non, c'est. Putain, le titre c'était On a mangé le soleil. J'avais envie de tout enculer, gros. J'avais ça dans la tête, là. Et on a mangé le soleil. Élection France. Quel a été le pire participant à l'Eurovision pour la France, d'après vous? Le plagiat de Stromae. Le truc avec la moustache. Je sais pas quoi. Ça, c'était infâme quand même. Moustache. Ouais. Oui, c'était 4. Je sais plus ce que c'était. Ils étaient 4, 5. Oui, ils étaient 4. Ils ont fait dernier. Avant-dernier. Enfin, eux, ils étaient sur un producteur. Je pense qu'il a fait faillite. Je vais te dire un souvenir que j'ai de l'Eurovision. Moi. Oh là. Et je vais remonter comme vous en C'était en 1560. Back day. Soyez attentif en régie. C'est un truc qui s'appelait, je crois, Couler la rivière. C'était un quémé de, je sais plus, dans les années 90, début des années 90. On avait regardé ça avec mon daron à l'époque. Et la chanson, elle est honteuse. Couler la rivière. C'est Eurovision dans les années début 90. Alors, c'est en 92 et ça s'appelle Monter la rivière. Voilà, c'est Monter la rivière. L'Eurovision à la France. Il a été cata. Comment tu dis ça? Entre les roches et les racines, un jour tu verras la source de la rivière. T'as la recherche, c'est Henri Desch qui a fait les paroles. Hein. Un garde-pêche, le mec. Bon, s'il a été choisi, c'est qu'il y a eu des sélections et qu'il n'y avait peut-être pas mieux cette année. Dans les années 90, vraiment, il y a eu des... Il a fait combien? C'est à l'époque, mon père et on regardait tout le sport, on était vraiment, tu sais, des cocoricos, les Français à fond et tout. Vive et le France! On arrive, et à l'époque, on ne connaissait pas, y avait pas, ça ne communiquait pas autant avant, les chansons avant, on ne connaissait pas les mecs. Donc une heure avant, il te présente le mec, la chanson arrive. Oh là, putain. Et mon père, je me souviens, il avait été député. Oh non, on va encore passer pour des camps et des chansons de merde. Et ça m'avait marqué. Et du coup, c'était de monter la rivière, donc pas couler la rivière. Mais et il a fini comme ça. Ah non, mais... Ils n'ont pas été compris. Ah ouais, mais dernier. Les Fatales, c'est les bestes. Après, en vrai, c'est pas leur meilleur, l'amour à la française, on va pas se mentir. Non, les Fatales, moi, j'ai grandi avec. Je suis pas oubliatif, donc... C'est des frères, ils ont essayé. Écoute, déjà, ils ont eu le courage d'y aller alors qu'ils n'avaient pas besoin. Ouais. Sébastien, ils étaient déjà assez connus. Alors lui, par contre, fallait juste lui interdire la beuh avant le spectacle. Mais sinon, il fait des bonnes chansons. La beuh dans le meilleur des cas. Hein. Oui. À deux doigts d'envoyer Georges Alain nous représenter là. Patricia Cass qui a testé, non, aussi pour la France. Ouais, mais Patricia Cass, c'est une machine. Elle a fini 8e quand même.
Bah oui, put some respect for Patricia. Et puis, gros risque pour une artiste qui a déjà largement donné et fait sa carrière de se dire « Ah, je vais tout remettre en jeu bah, !» pour ton image, c'est chiant, ouais, c'est pas si évident. Tu prends le risque de finir dernier, de passer un peu pour une conne, c'est pas évident. 8ème, c'est ok. Hein. Ouais. On a fait mieux que 8ème. Ah oui, j'avais oublié ça. C'est quoi ça? C'est Jessie, c'est Jessie. Allez, allez, allez. Pas... Allez, 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 c'est pas à mitraillette à gauche, mitraillette à droite. Tu peux pas donner de crédit à ça. Non, ça c'est Moussier Tombola. Merci. Amaury Vassili. Hein. Qui bosse sur Gulli d'ailleurs. Premier hein, selon les bookmakers. Ouais. Je savais pas. Je pensais qu'il n'existait plus Moussier. Il s'est reconverti, il bosse sur Gulli sur un programme. Moussa Tombola, ça marche très bien pour lui, on le salue, il ne nous regarde pas. Et voilà. Il veut finir premier. Selon les bookmakers, il avait une bonne chance de l'emporter, 15ème. 15ème. Angoon aussi une bonne chance de l'emporter, 22ème. Il y a 23 pays, c'est genre. Ouais, Angoon par contre, moi après je suis pas objectif, je déteste qu'elle fait vraiment. Angoon égale. Oh ça va. Non, c'est ok. Est-ce que vous avez des Français qui ont gagné? Vous savez qui a gagné? Ouais, est-ce qu'il y a déjà eu une première place? Alors il y a déjà une première place, moi je l'ai, est-ce que vous avez? On a gagné 4 fois, hein, mais ça remonte aux. Alors moi j'ai pas 4 noms, j'en ai qu'un. Bah non, pas bien. Amandine Bourgeois dans l'émission justement. Merde, j'ai oublié son nom. Ah putain. 23ème Amandine Bourgeois. C'est qui Amandine Bourgeois? C'est pas une meuf qui a fait Popstar ou je sais pas. Ah oui, d'accord, je sais plus. T'as Marie-Mariam qui a gagné? Marie-Mariam, ouais. Ah oui, après il y a France Gall qui a gagné, mais. Oh, 25, on a gagné une place. Lisa, oh, mais elle m'avait déprimé. Oh, d'ailleurs, j'étais dans le récap quand vous l'avez 25 montré. 25 sur 27, hein. Ah ouais? Ouais. Oh, mais frère. Le récap pour 2015? Ah ouais, mais c'est on peut s'amuser, on a envie de vivre là, ou pas? Elle a voulu aller dans l'émotion. Eh, gros. Non, non, c'est pas l'émotion. Ça, c'est on appelle ça la mort, hein. Après, non, celle qui a gagné ici, Barbara Pravi, c'est. Amir, pareil, notre meilleur. Elle va être dans l'émotion aussi, hein. Sixième, Amir. Mais c'est quoi le problème d'Amir? C'est qu'il a pas trouvé, hein, surtout. Oh, oh non. C'était donc la mauvaise vanne d'Hermès. Sixième, gros. Sixième, c'est excellent. On peut pas donner de crédit à ces gens. On a gagné 5 fois en 58, en 60, en 62, 69 et 77. Ouais, quand c'était l'Europe des trois, quoi. Voilà, c'est ça. Marie Myriam, Frida Bocara. Isabelle Aubray. C'est pas. Ah, ok. Tom Pilibili. Pilibi. Bah, salut. Tom interprété Pilibili, par Pilibili. Céline Boyer. Et en 1958, c'était André Clavaux. Thierry Boyer. Thierry Boyer avec le live. Quand je dépense, je prends 50. Je prends la commission. Ah, madame, monsieur, je pense que s'ils avaient envoyé le gagnant de The Voice Kids, là, on aurait peut-être fait peut-être une chance. Qui, le mec de The Voice Kids? C'était le. Je sais pas, c'était un gamin qui chantait, il chantait une chanson mi-française et le refrain en anglais. Donc, refrain en anglais, tout le monde comprend, tout le monde danse. Donc, bilingue, le mec. Voilà. Ah oui, j'avais oublié ça. Ah oui, j'avais oublié. C'est vrai que j'avais oublié. Bah oui. Tu sais, ce qui est marrant, quand même, c'est quand même avec l'Eurovision, je trouve que c'est quand même une compétition donc, internationale, donc européenne de musique. Et qui l'Australie aussi. Hein. Et qui pardon? Il y a l'Australie aussi. Donc oui, c'est un peu grand chose d'européen. Hein. Et qui ne reflète en aucun cas la musique qu'on écoute au quotidien. Tu vois. Ah bah et... sinon, t'envoies Gims, mais bon. Non, mais c'est ça que je comprends. Pas. C'est ça que je comprends. Est-ce qu'on veut gagner tout de suite? Bon, non, mais ce que je veux dire, c'est que ça ne reflète en aucun cas ce que le commun des mortels écoute. Tu vois, personne n'écoute des groupes ou des gens qui vont faire l'Eurovision. Alors c'est peut-être finalement, et on a l'impression donc, que c'est une grande compète du top, mais c'est loin d'être le top. C'est peut-être juste un tremplin pour certains. J'ai l'impression que ça ne l'est pas non plus. En fait, j'ai jamais compris le délire de l'Eurovision. Parce que chaque fois, c'est quand même le niveau de créatif, musical, ce qui fait la musique. Donc les paroles, la musique, la musicalité, la mélodie. Je trouve ça d'une faiblesse. En fait, ce qui est le problème de l'Eurovision, c'est une faiblesse. En gros, ils expliquaient que comment voulez-vous faire gagner une chanson en Europe qui ne fonctionne déjà pas chez vous. Le problème, c'est que la chanson doit avoir été faite dans les 9 mois, je crois, qui précèdent la compétition. Donc très compliqué de faire monter une musique ou quelque chose. Alors évidemment, dans tout ce qu'on a vu là, que la France a proposé, il y a des trucs, tu sais, de base que ça ne marchera pas. Donc après, il faut juste réussir à trouver le bon truc, quoi. Ouais, ça le mérite peut-être d'être repensé avec vraiment, tu vois, je sais pas. Olé, olé. En tout cas, Barbara Pravi qui a gagné, j'ai trouvé que globalement, c'est ce qui représentait plus l'esprit français de ce que tu te fais de la chanson française. T'as l'ancienne. En fait, est-ce que c'est pas ça qu'attendent finalement les peut-être autres les pays européens? Ouais, exactement. Ils veulent voir du Edith Piaf, quoi. Enfin, tu poses une bonne question. Je sais pas ce qu'attendent les gens et ce que veulent les gens, ce qu'attendent les gens de l'Eurovision. Non, mais déjà, les gens n'attendent rien de la France à l'Eurovision, en fait. C'est ça qu'il faut se dire. Après, c'est vrai qu'on ne soit pas défaitiste. Celui qui gagne doit organiser l'Eurovision. C'est pas ça que je veux dire, Max. C'est-à-dire qu'il faut être deuxième. Les gens ne vont pas voter pour la France à l'Eurovision parce que ça chante français et que c'est Edith Piaf. Non, ils veulent une chanson
fun, enfin ils veulent s'amuser, j'en sais rien ce qu'ils veulent d'ailleurs, ça change tous les ans. Mais c'est pas en leur donnant le cliché de la France et ce que nous on c'est a envie que la France soit vue à l'étranger, ah bon que ça va marcher. Ouais. Mais au-delà de ça, ça fait pas le cliché, ça a pas marché. Ça fait combien d'audience par exemple les dernières. L'Eurovision, ça fait une audience de fou furieux. L'Eurovision, c'est. Et juste en France, on a le chiffre ou pas? Sur Twitch, c'est 20 000 viewers au moins, je crois. Putain. Pas mal. Comme Samuel Etienne. Non, mais en vrai, c'est assez insane. Je sais pas ce que c'est les audiences annuelles de l'Eurovision, mais c'est assez. L'Eurovision, le 64e, donc c'était en 2019, c'était 182 millions de téléspectateurs. Correct, hein. Oh, c'est surtout l'occasion pour nous de revoir Stéphane Bern, et ça, c'est toujours un peu. On le revoit même pas, il caste, gros. Il est avec Dwagby, il caste dans son truc. Il a baissé un peu Stéphane Bern. Ah, il va savoir. Pourquoi il t'a déçu? J'aime Stéphane Bern, mais là, il co-présentait avec Laurence Boccolini, qui était très bien cette soirée-là. Et à un moment, je sais que ça m'a marqué ce moment, je sais pas pourquoi, mais elle lui dit bon, je sais pas, elle cherche une enveloppe ou le nom de quelqu'un et tout, elle dit meublé. Et le mec, il est tétanisé, genre vraiment, il est en mode. Et après elle fait bah il faut meubler et il fait c'est ton métier vraiment c'est jamais enfin elle aurait été seule ça aurait marché aussi j'embrasse Stéphane aussi hein, bien sûr mais pour le coup il m'a surpris dans le mauvais sens parce que d'habitude je le trouve très bon Stéphane et là ce soir un peu il est bon quand il nous parle de Châtelain Steph oui voilà exactement on peut pas être fan tout le temps partout hein, donc voilà bah, pas mal week-end et puis après si après bah, j'organise deux trois petits trucs par rapport au React en ce moment ça prend un peu de fou là je fais mes React le vendredi et pensionnat et j'ai été contacté par des candidats des élèves de cette époque là du pensionnat de Sarlat et du coup on prépare un live ensemble avec un professeur donc monsieur Bell qui était professeur de PS dans la série et une top élève dedans enfin la meilleure Françoise pour ceux qui regardent et du coup ils m'ont contacté et en fait ce que j'expliquais tout à l'heure c'est que c'est assez drôle parce qu'hier du coup si c'était une élève à l'époque à quel âge maintenant mon âge c'est parce que c'est 2005. Donc ils ont enfin elle a notre âge quoi l'ITA enfin notre âge voilà ça mais... va ça va ça va il y avait peut-être donc, le moral dans un an et demi j'ai 40 ans je te jure que je t'invite pas à mon anniversaire oh non et Dieu sait que ça va être une big party une big party une petite boum big ah, ouais, party je peux te dire que ça sera pas une fête de 40 ans mais plutôt de 20 il y a rien de 6 hein. Mais du coup ouais ils m'ont contacté enfin bref et hier je leur ai dit bah je vais créer une conve groupée entre monsieur Ball et toi et puis on va voir comment on peut s'organiser et c'était marrant parce que dans la conve ils c'était les retrouvailles enfin c'était je sais pas comment expliquer mais c'était très bizarre parce que moi j'avais l'impression de les connaître parce que je regardais le React et je regardais l'émission et j'étais en mode ah stylé machin il y a 16 ans quoi l'émission tu vois et eux ils se retrouvaient en mode oh comme si c'était hier puis ça faisait 15 ans que c'était pas parlé et ils commençaient à se parler et tout machin et moi j'étais au milieu en mode ok. On m'ignore là. Et lui, ouais, mais c'était. Je sais pas, j'étais ému quelque part, j'étais en mode putain, j'ai. C'est beau. C'est un peu grâce à moi, quoi, si je puis me permettre. Et voilà, donc on va organiser ça et ça va être. Gigi et fils, agence matrimoniale, voilà. Gigi, en fait, c'est copain d'avant. C'est copain. Il crée des rencontres. C'est perdu de vue. Donc ça va être. On appelle le lien, voilà. Exactement. Donc on prépare ça, mais sinon, week-end assez calme au-delà de ça, à la maison. Ah si, Jumpé est venu m'acheter mon canapé. Ah quand même. Ah oui, j'ai oublié de citer ça. On en a parlé hier. Il a utilisé l'application que Ken avait présenté dans le mobile pour louer les bagnoles rapidement, etc. Get donc, around. Un utilitaire, enfin un camion, et puis il est venu à la maison. J'ai fait un prix d'ami, je doublais le prix. Il fait le mobile, ouais, c'est bon. J'ai offert un petit canapé, puis on a un petit débat parce que sa femme qui est revenue du Brésil, donc c'est bon, tous ses papiers sont nickel et tout, parce qu'il a eu beaucoup de galères, il en avait parlé par rapport à ça. Et en fait, il avait toujours pas de canapé. Enfin, dans son salon, il y avait rien. Et du coup, j'étais en mode, bah, t'es un bâtard, enfin, ta femme. Et du coup, sa femme, elle fait, bah ouais, même pour regarder des séries, je regarde sur mon téléphone et tout, machin. Oh. Et c'est bon, voilà. Et du coup, voilà, je vais l'afficher, j'avais dit que je l'afficherais dans le cap. Jumping, c'est scandaleux. Il a même pas acheté une télé. Sa femme, oh, elle doit regarder des séries et des films sur son petit téléphone. Avec comme le ça. Mobile, tu peux en acheter des télés. Voilà, je le dis aujourd'hui. Donc, il est venu. Enfin, elle m'a dit, enfin, déjà, merci. Elle m'a dit, merci, Gigi. Je suis rien. On a un canapé. Elle est arrivée comme ça, la meuf. J'ai dit, bah, moi, je signe les chèques à la fin du mois. Je sais combien il gagne Jumpé. Donc, c'est scandale. Mais voilà, il a dit ça en tweet grâce au canapé de Gigi. Jumpé, t'as pas dit, bah, la femme de Jumpé, elle t'a pas dit, le canapé, t'as pas des pâtes un peu. Moi, je lui ai donné une boîte de sucre en morceaux parce qu'elle m'a dit, c'est affolant à la maison. Donc, voilà. C'est ravioli que j'ai pas touché. Depuis 6 mois, vas-y, bon appétit. C'était le. Putain, mais bon appétit. Bon appétit. Peut-être un quiz en italien, on sait pas. Attends, mais tout le monde ne fait pas Xari pour une pince, c'est lui le salaud dans l'histoire. Ah, très honnêtement, affaire à suivre, il aura un droit de réponse en prison, certes, écoute, mais pour il aura le moment, réponse. Pour le moment, Xari n'a pas de télé non plus, donc il saute à égalité. Oui, mais Xari, c'est quelqu'un de généreux. C'est vrai. Mais moi, c'est surtout que j'ai pas de télé. Si vous regardez la télé, c'est une pince, toi, non. Non. C'est vrai. C'est juste qu'il l'a dit une fois en 2000. Quand on commence comme ça, c'est pas bon. Il l'a dit une fois en 2016 et ça me suit depuis. Parce que t'es une pince, toi, non. C'est juste que
Non, mais attends, est-ce que je t'explique et tu me dis si c'est vrai ou pas ? Je t'écoute. Ok, j'attends. Jiraya a dit ça parce que un matin, enfin à midi parce qu'il dormait chez moi avant le Covid. Écoute bien. Avant le Covid, je lui dis est-ce que tu veux un thé ? Parce que je sais qu'il boit du thé. Moi, je bois pas de thé. Et en gros, j'ai sorti du thé que j'avais piqué. Enfin, piqué, récupéré dans un hôtel, tu vois. Parce qu'il y avait des trucs de thé, je les ai pris. Mais. Mais il achète pas de thé, Xari. Juste, je n'ai pas de thé chez moi. Donc je me suis dit, je les ai. Donc est-ce que je peux lui propose ? Bien sûr, en vrai, oui. Et là, il m'a dit, quoi, tu peux pas m'acheter du thé ? Je suis en mode, bah. Non, mais c'était une blague. Oh, ouais. J'étais sa meuf, gros. Non, mais. Moi, je ne vaux même pas un sachet de thé, éléphant. Moi, femme. Voilà, bref. J'ai pas dit ça. Tout ça pour dire que si j'avais juste pas pris ce thé, je l'en aurais pas proposé, ce serait rien passé. Mais vu que j'ai osé lui proposer du thé d'hôtel, et bien c'est parti là-dedans et je suis en mode bon bah. Non, je fais partie des gens qui font des. Astuce ratus. Qui ramassent tout dans les chambres d'hôtel avant de partir. Non, mais c'était juste. Voilà, tu sais, c'est genre hop, je l'ai pris. Fais pas genre, fais pas vu que je l'avais. Non, mais. Quand tu vas dans un bel hôtel, tu prends au moins 2-3 petits. Moi, la baignoire. Alors, moi, ce que j'aime bien braquer dans les hôtels. Ah, voilà. C'est les peignoirs. Les peignoirs. Oh, le classique. Peignoir, ça se tient. T'as le droit les peignoirs. Bien, ils sont trucs. Ça se tient un peignoir. T'as le droit les peignoirs. Non, t'as pas le droit. Mais non, t'as pas le droit. Justement. Non, mais non, t'as pas. Mais en plus, tu voles, toi. Donc, tu prends pas les trucs gratuits, mais tu voles. Putain, mais je t'ai pas dit que j'étais. Mais c'est scandaleux, en fait. Il se bat dans les aires d'autoroute, gros. Donc, il a pas que ça à foutre. Hein. Moi, j'ai des petites histoires de braquo comme ça, mais ce sera. C'est pas moi, c'est pas moi. Ce sera pour une autre fois. Non, ça, c'est pas toi. Ah non, c'est pas moi, mais j'ai. C'est un ami, un bon ami. Dans quel hôtel ? L'entourage. Ah, d'accord. Je parle pas des rappeurs. Non, mais l'entourage qui, dans des hôtels, repart avec. Des coussins ? Non, mais qui repartait avec genre de l'argenterie, enfin des cuillères. Une fois, une salière et tout, gros, je rigole pas. Moi, une fois, je suis reparti avec non, un matelas. Non, mais attends, ça va, t'es où là ? Je croyais qu'ils avaient braqué une bagnole, les mecs. Mais c'est ça. Merci, au revoir. Tu sais, t'es à deux avec le matelas comme ça. Non, les peignoirs, voilà. une fois, je me souviens, c'est quand j'étais à l'époque où j'allais un week-end sur deux, on jouait au basket, on allait dans les hôtels et tout. À un moment donné, je mets un peignoir, je trouve il est bien trop. j'avais pris le peignoir, ça, j'avais. Oh, ben bah, ça va. Ouais. J'ai fait 6 mois de prison. Après, tout voilà. C'est pardonné. Tout va bien. Ça va, Accor Hôtel, apparemment, ça en est bien porté. Hein, ils ont l'air de bien se porter. Ils sont encore dessus. Depuis l'annonce. On va passer à la suite, les amis. On a terminé sur les week-ends. On va continuer avec les réseaux. Il serait temps. Ouais, ça va. On a bon 40 moment, minutes. Gars, ça va, vas-y. On n'a plus les emotes, là. Ah ouais. Oui, c'est non. En panne. Bah écoute, ouais, j'ai pas voulu mettre c'est... en PLS Rizzo, mais c'est vrai que je me pose la question parce que autant je lis pas le chat, autant j'aime bien les voir réagir. C'est en panne, Twitch a dû changer quelque chose, j'ai ouais. Pas regardé. D'accord. Je me fais troll par mon ingé son, merci. Ah, Rizzo, ça marche, Rizzo. On compte sur toi hein, parce que les plugins OBS, on a bien vu que tu maîtrisais, mais hein. Bon, on te croit, Rizzo. Dans les écrans là, attention. Hein. Bon, alors les réseaux sociaux, on va évidemment commencer, on a pas mal de choses à dire. On a quand même commencé l'émission à seconde moins 4. Avec Yohan qui lui fait « Les gars, le runner est vide. » Bon, finalement, on va s'en sortir. N'en dis pas plus. N'en dis pas plus. Oui, mais on sait bien qu'il n'y a pas besoin de runner pour remplir le récap. C'est géré, mais ouais, on est là. Je ne sais pas si c'est bon signe d'ailleurs, mais bon. Si, ça s'appelle le talent. Ah, merde. Oh putain, on apprécie la vache. On continue avec les As d'or pour le coup. J'en ai parlé hier, j'avais dit que ça allait bientôt arriver, notamment les nommés. Eh bien, ça y est, ils ont été annoncés. Donc pour ceux voilà, qui kiffent les jeux de société, vous avez une petite sélection ici qui vous montre parmi les meilleurs jeux de cette année. Alors, je dis bien parmi parce que, évidemment, des bons jeux, il y en a eu plus que ça. Mais il a fallu faire une sélection. 4 pour les enfants, 4 pour tout public et 4 pour ce qu'on appelle les experts. Et les gagnants de chacune de ces catégories seront annoncés donc le 25 février à 19h30. Faites vos votes, hein, j'ai envie de dire. On verra qui gagnera. Évidemment, moi, je le sais, mais je suis tenu au silence, tout simplement. Secret prof. Ça joue pas du tout aux jeux de société ici. Pas toi avec nous quoi, mais t'en mais achètes pas chez toi. Je déteste. Moi. Ça non mais plus. Moi j'ai beaucoup joué plus jeune. Hein. Ouais, bonne jeune aussi. Mais moi je suis seul. Les classiques. Ouais, les grands classiques ouais. J'avoue que déjà j'ai pas beaucoup de place et en plus t'es solo frère donc je vais pas jouer les jeux et solo. Justement, t'invites Genius. Tu vois, il habite pas loin de chez toi. Tu mais t'as pas être diabolique. J'invite Genius. J'invite Genius, c'est gros, il a pas de temps. Jamais chez toi, je me rends même pas compte à quel point t'as pas de place. Bah c'est ouais c'est voilà. Non, c'était quoi comme appart toi comme mètre cube t'es mètre cube je sais pas par contre j'ai 27,5 mètres carrés
Ah ouais, c'est, ça fait pas beaucoup. Ouais, c'est pas fou. Dont une baignoire qui fait, je crois, 1 mètre carré. Quoi. Mais t'as une baignoire en plus. Ah, une baignoire. Une baignoire, salle... attends, oui. Une SDB, pardon. Oh, les deux baignoires. Une SDB, non, oui. Une douche. Non, non, c'est pas une baignoire, mais une salle de bain, pardon. J'ai fourché. D'accord, ok. La fourche à longueur. Genre, en gros, ma baignoire, c'est un couloir, quoi. Non, des salaires enfin, ma baignoire, cinq... ma salle de bain, je sais pas pourquoi tu dis. T'as des salaires quoi. À 5 chiffres tous les mois et tu peux pas avoir mieux que ça. Mais chaque chose en son temps, on économise pour prendre plus grand. Non, bah, mais. Fais ça, attention, ils vivent ensemble. Non, mais en vrai, en fait, le problème, c'est que c'est pas un studio, non. c'est un mi deux pièces. Donc, en fait, c'est. Enfin, bref, c'est complexe. C'est un F1 bis, comme on appelle ça, non ? Ouais, c'est ça. Bref, j'ai pas de place. Bref, il n'a pas de place. Tu joues pas avec ta femme spécialement ? Non, jamais. Jamais. Pas votre truc. J'ai pas envie de jouer avec même elle. Pas au Dr Maboul. J'ai pas envie de jouer avec tu joues même pas au Dr Maboul. Non, non. Alors, on a tâté les outils quand même. Bon. Mais c'est juste que moi, je joue à Mario Kart avec elle. Mais c'est très bien. Mais je joue pas aux jeux de société. Si j'avais une période avec des potes où comment il s'appelle le mon pote Bédo. Comment il s'appelle mon pote là, non, pas mon pote, mais le jeu Steam où tu pouvais jouer à n'importe quel jeu de société. Ah, Tabletop Simulator. Et du coup, je jouais à Catan, je faisais du pan ou du boom, je sais plus comment ça s'appelle. Pan boom. Clank. Le truc avec les à Bang. Oui, Bang. Merci. Bang. Voilà. Je jouais à Bang, des trucs comme ça. Mais sinon, absolument. C'est quel est le meilleur jeu de société pour moi? C'est le Trivial Pursuit. Voilà. Écoute, on va y venir. Indémodable. On ça le fait marche. Avec la après, faut trouver avoir les cartes qui vont un peu avec ta génération, parce que je me souviens que si tu joues Genius 2 de l'époque de mes parents, je peux te dire que tu réponds à une question sur 1000, c'est un peu relou. Mais si tu arrives à trouver un truc de ta génération, et Dieu sait que maintenant ils en font ouais, beaucoup ouais. Et avec des trucs ciblés, c'est vraiment cool. Moi, le Trivial. Au moins, t'es sûr que tout le monde peut y jouer. Ça, toi, c'est de la question que tu veux, c'est de la réponse. Moi, vraiment, le Trivial Pursuit, c'est le jeu auquel on est joué. Vraiment ça. Ça, on a joué. N'importe qui me dit, on fait un Trivial, c'est OK. On y a joué, ça, avec Hugo, et bah, c'est bien. Il est venu faire le bœuf boubou, on a mangé le bœuf boubou, et après, on a fait du Trivial Pursuit. C'était il y a quoi, 2-3 ans ? Et après, du Mario Tennis. De quoi ? Non, mais tu valides cette théorie, Max, toi, qui est l'homme des jeux de plateau ? Dis-moi. Ben, le Trivial. Bah, c'est un jeu de quiz. Oh, bon, si, c'est un jeu de société, moi, ce serait mentir que dire, mais disons que c'est un classique. Si tu veux un jeu de quiz, oui, ça fonctionne. Oui, y a pas, après, ça manque de stratégie. Ça manque de stratégie. Ouais, voilà, c'est ça. C'est dur, c'est un peu redondant, quoi. Y a le game design, zéro. Voilà, ah oui. Voilà, c'est juste. Alors c'est juste que le Monopoly. Ça en fait pas un mauvais jeu, hein, mais bon, c'est pas alors ça. Alors que t'as tout, gars. La bonne paye, c'est exceptionnel. Oh putain. Ah, oh, la bonne paye, c'est exceptionnel. Attends, il y avait un truc aussi. On l'a dit. Quand j'étais plus jeune, il y avait un jeu où c'était l'île en enfer. L'île en enfer. Le jeu de loi. Comme ça. Il y a des échelles. Et tu lançais des dés, tu tournais, t'avais une espèce de petite figurine avec un trou dans la bouche et tu faisais tomber des boules rouges, ça faisait des boules de feu. Ah oui. L'île oui, en oui, enfer. Oui. L'île, attends. Ils l'ont ressorti récemment. Non, non, mais ils en ont fait une nouvelle version récemment. Il y avait Hôtel aussi. T'as mangé à ça, Hôtel. Hôtel. Destin. 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 C'est quoi une île en enfer. Personne n'a retrouvé là-dedans. Je t'avoue que je l'ai plus, mais ils en ont fait une version. L'île infernale. L'île infernale. Bravo, vous êtes les meilleurs dans le chat. L'île infernale. Ça, je me régalais, l'île infernale. Mis des grands coups de pied parce que je perdais là-dedans. Voilà. Mais tu vois la nouvelle version là. D'accord, oui, ça a évolué. Ouais. Oui, ça a évolué un petit peu, effectivement. Qu'est-ce que mais c'était bon. Cool ça. On faisait des reporters. Et oui, il a survécu. Alors que là, non, déjà commentateur. Non, mais on se régale, franchement. Il a survécu. Écoute, si les classiques sont des portes d'entrée. Il fait ainsi, son mignon. Plus. Oh, je ne vais pas dire complexe, mais évoluer, bah, c'est très bien. Tu vois. Ah, voilà, mais oui, mon mignon. Mon mignon. Après, c'était vraiment, je te dis, 8 ans, 9 ans, c'était pas clair pour moi. En tout cas, si vous ne savez pas quoi acheter, voilà, le but de cette sélection des As d'Or, c'est un peu d'idée parmi tous les jeux qui sortent dans l'année, vers lesquels valent le plus le coup. Quoi. On n'a même pas dit les noms au final. Bah, je n'ai pas voulu y passer 3 heures, parce que je ne sais pas si ça intéresse tout le monde, je ne voulais pas gonfler les gens. Tu vois, donc je leur montre que c'est sur mon Twitter, ils vont jeter un œil si ça les intéresse. Okay. Mais je sais que si j'y passe 3 heures, vous allez être là en mode « Oh là là, on s'en bat les couilles, non, mais tu peux juste dire les noms, mais il n'y a rien de... Oui, je peux dire non. Bah, affiche le tweet si tu veux. Écoute, si ça t'intéresse, envoie la sauce. Moi, j'ai joué, donc il n'y a pas de souci. Pas... T'as pas joué à tous, pour le coup ? Non, j'ai joué qu'au meilleur. Effectivement. Je voulais faire de gauche à droite. Voilà, tu as tout simplement la Maison des Souris, voilà, qui est un jeu qui est un petit peu particulier, parce qu'en fait, tu joues notamment avec la boîte. Et en fait, tu as des petites fenêtres et les enfants doivent regarder dedans pour essayer de trouver c'est pour les souris petits qui s'y cachent. C'est pour les petits, effectivement. Derrière ça, tu as Kraken Attack, qui est un petit peu pour les plus grands derrière ça. Dragomino, qui se joue pour tout le monde, ça c'est vachement bien, parce que bah, ça permet aussi aux parents de jouer avec les enfants. C'est-à-dire que c'est ça aussi qui est intéressant dans un jeu pour enfants, c'est de faire en sorte que les enfants puissent jouer potentiellement en autonomie, mais aussi que les parents ne se fassent pas chier pour jouer avec eux. Et donc, il faut essayer de trouver le bon niveau autour de ça. Détective Charlie qui est à côté, bah, c'est un jeu tout simplement d'enquête, mais pour les enfants.
voilà, où justement tu vas vraiment proposer aux enfants d'aller chercher qui est le coupable d'une petite affaire, mais c'est fait avec des animaux et tout, c'est très accessible, c'est très sympathique. Derrière ça, tu as Ghost Adventure. Alors ça, c'est un peu particulier, c'est un jeu avec des toupies. Tu vas faire tourner des toupies en fait sur des petits plateaux de jeu et tu vas essayer d'atteindre certains objectifs. En fait. Ouais, c'est un peu l'idée. Et en fait, le but, c'est que la toupie tourne un certain temps et que tu parcours certains obstacles et tu peux même jouer en coopération. Puisque du coup, on peut tous avoir un petit plateau et en fait, tu finis par te faire passer la toupie. Ça demande un petit peu d'adresse, un petit peu de pratique, mais plus tu pratiques, plus t'es bon et plus t'arrives à faire des dingueries. Et du coup, c'est assez cool. Il y avait quoi d'autre? Il y avait Caro Combo. Alors ça, c'est un jeu. Tu peux l'emmener partout. C'est une petite boîte en métal. T'as joué à tous ces jeux, toi? Ah ben, j'ai joué à là dans l'année, j'ai dû jouer à une centaine de jeux plus, quoi. Plus les jeux vidéo, donc. Je joue de moins en moins aux jeux vidéo, du coup. Eh ben, c'est une semaine bien remplie. Ouais, mais écoute, on choisit ses batailles, voilà, tout simplement. Ça me fait kiffer. Caro Combo, c'est un petit jeu de plis, oui, où en fait la particularité, c'est que tu as des numéros dans ta main, tu vois, t'as plein de cartes avec des numéros dans ta main, mais tu n'as pas le droit de les ranger. Et donc en fait, tu vas essayer de jouer des paires de cartes ou des triples de cartes. Et en fait, quand tu vas les enlever en plein milieu de ta main, bah du coup, tu sais, tu vas resserrer les cartes, il y a plus de trous, et ça va te créer potentiellement d'autres combos. Il faut toujours essayer de faire des combos plus gros que tes adversaires. Et il y a un petit côté, entre guillemets, Uno, dans le sens où on peut te foutre des cartes qui vont te remettre des cartes dans ta main, parce que le but, c'est de vider ta main, etc. C'est très sympa. C'est facile à expliquer, facile à comprendre, facile à jouer. T'enchaînes les parties, c'est assez cool. Micro Macro, qui est juste à côté, t'as une map énorme. Vraiment, elle remplit... Énorme. Non, vraiment, elle remplit énormément le truc. Et en fait, le mec, il a dessiné partout une ville, en fait. De dessiner une ville avec tous ses habitants et la vie de ses habitants sur la map. Et en fait, c'est un jeu d'enquête où en gros, on va te dire, OK, il s'est passé tel truc à telle case, trouve pourquoi, comment. En fait, tu vas tomber sur ce mec-là et tu vas voir qu'en fait, il est mort. Et en fait, tu vas remonter en fait toute son histoire et ça va permettre de raconter... Sauf qu'en fait, c'est un genre de Où est Charlie ? Parce qu'en fait, t'as tellement de monde sur la map... que tu dois un petit peu chercher ce qui s'est passé et trouver, ah, attends, lui, il est dessiné là, mais il est aussi là, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, etc. Du coup, la rejouabilité, elle n'est pas folle, non, pour ce genre de jeu ? Alors, effectivement, c'est le genre de jeu où une fois que tu l'as terminé et que tu connais la map par cœur, bon, tu as un petit peu fait le tour, effectivement. Mais ça, c'est de plus en plus à la mode. Les gens commencent à accepter le fait que, comme un jeu vidéo, tu l'achètes, tu le finis, et oui, peut-être que tu ne vas pas y rejouer 15 fois. Bah, maintenant, on a de plus en plus des jeux de société où bah, c'est pareil, tu l'achètes à un certain prix, ça va t'occuper un certain nombre d'heures. Puis au bout d'un moment, voilà, tu as fait le tour. Mais ça marche très bien parce que l'expérience, du coup, elle est unique. Combien ça coûte un jeu de société ? Ça dépend. Ça va entre 20 et 150. Ah, j'ai dit 15 000 fois en fait, je suis désolé. Ça va de 10 euros à 150. Ouais. Il n'y a pas 50 balles, Logan, c'est ok. Bah là, c'est plus vers les experts avec des grosses boîtes, des figurines. Voilà, il y a de la belle figure quand t'as la moto, quand t'as la moto avec. Par contre, on me fait remarquer à juste titre dans l'oreillette qu'en haut, à gauche, il y a un petit macaron nominé et qu'on ne dit pas nominé en français, n'est-ce pas? Nommé. Voilà. Je crois qu'on dit les deux maintenant. Les nommés. Je pense que c'est rentré dans le langage. Je crois que les deux sont acceptés, mais que normalement, on devrait dire nommé. Écoute, moi, je dis nommé. Écoute, si eux, ils veulent mettre nominé, ils font bien ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de souce. C'était quoi à côté ? Je vais essayer d'accélérer pour le reste parce que tu vois, The Crew. Je voulais pas tous les faire. The Crew. Non, mais moi, j'avais demandé les noms de base. Hein. Ouais, mais bon, en fait, le truc, c'est que si tu donnes juste les noms. Tu as ouvert la porte de Pandore. La porte, j'ai dit la boîte. La boîte. Top 10. Je vous le fais pas. Pas en long, en large et en travers, on a fait une émission dessus hier soir. Ouais. Voilà, tu dois faire des mimes et tu dois jouer des trucs, c'est assez rigolo en groupe. Derrière, tu as le dilemme du roi, où là, en fait, on te donne une situation, un petit peu un côté jeu de rôle, et en fait, on va te dire, bah voilà, il se passe ça, est-ce que vous voulez voter cette loi, oui ou non ? Et là, autour de la table, eh bien, les joueurs vont décider si, oui, ils veulent voter cette loi ou non. Mais en fonction de la quantité de pouvoir qu'ils vont mettre dans leur oui ou dans leur non, eh bien, ils vont... obligé ou pas à voter cette loi, ça va avoir des conséquences sur l'histoire dans le jeu et dans les parties futures. Et en fait, le jeu, à chaque partie, évolue en fonction de ce que tu as fait. Et en fait, ça va raconter une histoire sur bah, ta famille, la famille que tu représentes, mais aussi sur l'ensemble du royaume et l'histoire que raconte le jeu. Et ça, c'est typiquement un jeu, tu vas jouer une quinzaine d'heures, et puis après... ciao, bonsoir. Après, normalement, tu as terminé. Au revoir. Ouais, tout simplement. Mais c'est un jeu expert relativement accessible comparé à la taille de la boîte, donc c'est assez cool.
Derrière ça, t'as The Crew qu'on a fait aussi en émission, où là, pareil, c'est un jeu de plis, mais en coopération. Ils sont chiants. Ouais, bah, en même temps, ils les sélectionnent aussi, hein, donc y a pas de souci. Derrière ça, t'as Paléo, qui est aussi un jeu en coopération. Beaucoup de jeux en coopération, d'ailleurs, presque que ça hein, en expert ici. Il y a une mode hein, en ce moment. Paléo, c'est un jeu où tu vas raconter l'histoire d'une tribu préhistorique, mais au travers d'une aventure que tu vas jouer avec des cartes, et où en fait, tu dois créer des outils, avancer dans l'évolution, on va dire, de ta tribu, et notamment buter du mammouth, dessiner des trucs dans des cavernes, voilà, il se passe des trucs. Quel mammouth ! Et enfin, Painted Grail, qui est notamment un Kickstarter, qui est sorti en FR aussi, distribué par Edge ici, avec, là, c'est un jeu complètement narratif. Tu démarres dans une ville, on te dit, c'est la merde, faut aller sauver le monde, hein, c'est... La suite Donjons et Dragons, voilà. Et en fait... je l'attendais. Et en fait, tu vas décider de où est-ce que tu avances et la map va se dessiner au fur et à mesure des endroits que tu décides d'aller. Si tu dis, OK, je vais au nord, on te dit, bah, prends la carte 127, tu la poses au-dessus et ça va te dessiner un continent, en fait, énorme. Et tu vas avancer sur ça. Et à chaque fois que tu t'arrêtes sur une carte, tu peux décider de regarder, en fait, ce qui se passe derrière et ça va te raconter une histoire, une aventure. T'as un bouquin énorme. Dès que tu t'arrêtes sur une case, tu dis « Ok, je veux explorer ça ». On te dit « Blablabla, bla, bla, il se passe ça, ça, ça ». Donc, c'est vraiment un truc narratif, tu lis un bouquin, gros. Et on te dit « Là, qu'est-ce que vous faites ? Vous avez le choix entre ça, ça, ça et ça ». Et en fonction de ce que tu vas choisir, eh bien, ça va t'emmener dans plein d'histoires différentes. Ça, c'est bien, en vrai. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un arbre de narration, comme on a l'habitude d'en voir, notamment dans les jeux vidéo dernièrement. C'est plutôt un labyrinthe de narration. Dans le sens où, en fait, tu pars d'un endroit central, qui est le même endroit dont tout le monde part. Mais en fait, comme tu peux aller absolument où tu veux, sans aucune restriction, bah, t'as des mecs qui, au bout de 15 heures, sont déjà passés par la capitale, ont déjà tué X mecs, fait tel truc. Et t'as d'autres personnes, ils ont joué 20 heures plus ou 60 heures plus. Et ils ne sont toujours pas arrivés dans la capitale. Parce qu'ils sont passés par d'autres endroits et tout. Et donc, bon, là, par contre, il y a beaucoup plus de temps de jeu. C'est 120 euros minimum la boîte. Et rupture de stock absolue, ça revient au mois de mai, je crois. C'est lequel, celui-là, t'as dit ? Et ça marche très bien. C'est le dernier. Painted Grail, tout à droite. D'accord. Là, c'est les jeux experts. Hein. C'est faut se taper le livret de règles et il faut aimer la lecture. Voilà. Je vous ai fait la présentation. Désolé si c'était un petit peu long, mais au moins, vous savez à quoi vous en tenir. Tu as fait office d'un très bon PDF d'explication. C'est difficile de résumer des jeux qui parfois sont si complexes en quelques phrases. J'essaie de pas être lourd, mais c'est pas facile. Ça a été très bon et en région, on continue à se foutre de ta gueule quand je vois le titre comme sur l'actu brûlante. Bravo. Les bâtards. Oh, les salauds, putain. Bon, allez, on continue avec un truc qui, je croyais, était old as fuck. Écoute, on m'a dit, je l'ai pas vu. Donc, le saviez-vous ? À Valence. Ah oui, j'ai vu hier ça. On secoue les oranges, mais avec une machine appropriée. C'est assez stylé, ouais. Écoute, j'avais pas souvenir de l'avoir vu, mais c'est assez surprenant. Et c'est peut-être même un petit peu violent pour l'arbre. Ouais. J'ai vu, il nous a tous tagués, je crois, dessus, mais... Non. Attention. Ça se coûte très fort. Voilà. C'est ça. Pour la ouais, pratique, hein. C'est pratique. Après, il y a quelques oranges qui restent. Quoi, ouais, alors par contre, le gâchis. Ouais, il y a 15 000 oranges qui barrent. Il enlève le truc, il le redresse, tu perds la moitié. C'est bon. C'est un peu une catastrophe en termes de gâchis. Après, mais moi, je me dis, c'est rapide. C'est surtout un oranger en ville, quoi. C'est ce que je veux dire. Ouais, j'avoue, les gens, ils. Bah ouais, tu passes. Ouais, c'est plus ça que je surprends. Dans l'Espagne, bah ouais, Valencia. Ouais, toute la merde qu'il y a par terre. Ouais, là. Derrière, faut ramasser, quoi. Voilà, c'est pas la folie, quoi. Pas petit, hein. Allez, on continue avec eh bien Hugo Travers hein, qui a fait ce tweet. Vous l'aviez peut-être vu passer. On en a parlé succinctement hier. C'est évidemment les verbalisations ici de la police pour tous ceux qui, pour certains en tout cas, de ceux qui rentrent après 18h. Alors forcément, il y a des bouchons. Donc quand bien même tu as prévu pour rentrer à 18h chez toi, comme tu es dans les bouchons, eh ben, tu arrives plus tard. Comme tu arrives plus tard, eh bien, les flics te contrôlent. Comme les flics te contrôlent, il y a des bouchons. Du coup, les autres arrivent plus tard. Et puis, enfin bref. Mmh. Tu vois le cercle sans fin qui s'immisce ici. Ils arrêtaient à peu près une voiture sur 5 et du coup ils ont dû faire quelques billets. Écoute, j'ai envie de leur dire GG quoi, tout simplement. Après, est-ce que du coup ça va avoir un vrai impact? Est-ce que les gens vont se dire ah attention, ils contrôlent vraiment, donc on va faire attention, on va rentrer plus tôt? Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des gens qui ne peuvent pas rentrer plus tôt quoi, donc... Il y avait 400 km cumulés de bouchons hein.
Ah ouais. Quand même pas facile à anticiper. Hein. Mmh. Ouais, s'ils peuvent pas rentrer plus tôt, ils doivent avoir des attestations. Non, peut-être, logiquement. Ouais, logiquement, c'est, ça. En fait, c'est pour ça. C'est si, en si tu peux pas appeler une attestation, il n'y a pas d'amende. Le boulot, seulement, il y a des gens qui peut-être auraient pu. Et là, forcément, après, ça se passe très mal pour n'oublions pas que ça fait un an quand même qu'on demande à beaucoup de gens de faire des efforts, de rester chez eux, blablabla. Et qu'au bout d'un moment, ça. C'est compliqué, c'est pas simple, tu vois, c'est pas si manichéen ce que ça de dire qu'on soit à l'heure chez soi. C'est au bout d'un moment, les gens. Ils en auront le droit. C'est dur de dire à des gens arrêtez de vivre sans date butoir, tu vois. Ah, c'est dur. Restez chez vous. Moi, tu me dis, il reste deux mois. Dans deux mois, je te jure que la vie reprend, je te jure que je fais les efforts. Dire à des gens, reste chez toi, encore un peu, mais jusqu'à quand, on sait pas encore. C'est les gens, c'est dur. Qu'est-ce qu'on regarde, de vivre à moitié comme ça. Alors là, on regarde tous les jours, en fait, on a ce graphique qui sort de la part de Citadin, je crois, c'est un organisme qui mesure les bouchons en Île-de-France. Ce que vous voyez, la courbe noire, c'était les bouchons dimanche à 17h30, à 17h. Wow. Et la courbe grise en bas, c'est la moyenne. Donc quand on est dans le rouge, ça veut dire que c'est déjà exceptionnel. Là, je vous laisse imaginer. Bah... Oh, le ça bon. Fait beaucoup, là, non ? Putain, quel plaisir de faire ça, là. Quel plaisir d'être en Trotainite. Quel plaisir de rentrer à 21h et que c'est fini. Ouais, nous, c'est bon, il n'y a personne. Alors. Minuit, sonne père. Bon, écoute, après, je t'avoue qu'hier, j'étais comme ça. Je me suis dit, bon, bah là, j'ai pas mon attestation. Quoi ? Et là, s'il pourquoi t'avais pas ton attestation ? Je vais leur dire, non, mais c'est parce que j'étais en live. Ils vont faire, oui, monsieur, bien sûr. Non, mais je roulais avec la 195. DSL. Pourquoi t'avais pas ton attestation, Max ? Je n'ai pas pensé, en fait. C'est arrivé dans la voiture, j'ai fait, attends, mais là... On a changé de mois, là. C'est en février, maintenant. Là, c'est chaud. Et bon, bah, j'ai eu de la chance, mais ce soir, je vais prendre mon attestation, parce que c'est con, on en a une. C'est quand même dommage, dommage. À renouveler chaque mois. Allez, on enchaîne avec un truc, j'ai mis, il est vraiment dégoûtant. Il est dégoûtant. Encore lui. Il est injouable. Alors, je suis allé regarder son stream, et du coup, je suis regardé un petit peu comment se passent ces matchs, même les derniers. Mais en fait, même les derniers matchs ne sont pas disputés. C'est-à-dire que même quand il fait ses trois derniers matchs de sa petite saison de 30 matchs... Oui, ils sont censés être les meilleurs joueurs. Il les encule. Il leur met des gros 6-0, gros. C'est incroyable. Mais il joue pas. Moi, ma question, Mais il joue pas en compète. Enfin, du coup, il n'est pas en tournoi et tout ça. Il joue pas contre des joueurs compétitifs. Si, j'ai vu qu'il avait fait... Bah du coup, tu sais, comme ça parle de lui, il y a le côté un peu influenceur qui rentre en jeu. Oh là, mais son level, gros, qu'est-ce qu'il fait ? Et une touche de balle également, en mouvement technique. Non, mais c'est ça. Et en gros, non, vraiment, il se joue de son adversaire à peu près sur tous les matchs, c'est incroyable. Et il a fait des trucs dernièrement. Alors, je ne sais pas s'il a gagné, mais en tout cas, il participe des fois à des tournois avec d'autres mecs qui sont soit joueurs pro, soit influenceurs dans le domaine. Mais en tout cas, il ne fait pas que sa saison régulière comme ça, tu vois. Mais en tout cas, intuable, hein, le mec. Après, il a déjà perdu en tournoi, justement, je crois. Il avait perdu au pénalty, il avait ragé de fou. Ah ouais, ouais. En tournoi ? En tournoi, mais pas du coup pas. Ah ouais, voilà. Mais il est chaud. Hein. Pas en fut, mais il avait perdu sur pénalty et il avait balancé. Après, pénalty, ouais, ça doit dégoûter un peu quand même. Mais... Oui, mais après, c'est-à-dire qu'il a pas réussi à gagner avant, quoi. Tu sais. Erwan 480-0, les cyclistes et les bikers, très bien, apparemment. Par contre, bon, en termes de spectacle, faut aimer regarder du FIFA parce qu'il dit pas un mot. Hein. Bah, il est chaud, c'est lui l'attraction. Bon jeu, c'est le principe des joueurs pro. Il peut pas se permettre de perdre, quoi. Ouais. Ah non, mais même entre les matchs, il n'y a pas de jeu. Oui, non, mais c'est normal, il est en full concentration. Après, quand c'est acceptable, selon le théorème de Max Hildan, si le mec est chaud. Donc, c'est vrai, tout à fait. Ça s'accepte. C'est pour ça que je n'ai rien dit. On continue avec un mec qui abuse, hein, tout simplement. puisque... Ah, attends, ne l'affiche pas. Ah. Ouf, j'ai eu peur. Je préviens, ce que vous allez voir peut potentiellement... vous spoilez Shingeki no Kyojin. Ah. Si vous n'avez pas vu l'attaque des titans. Je vais m'en remettre, je pense. Notamment le dernier épisode. Ah, le dernier épisode, ouais. Fermez les yeux quelques secondes. Et les oreilles, du coup. Et les oreilles, du coup. On revient dans 5 secondes. Voilà, tu peux montrer. Regardez l'abus de ce tweet. Je suis dehors, je me suis enfui de table. J'arrive pas à gérer, je peux pas. Je suis toute seule à pleurer parce que putain, si ça tient, j'ai l'impression de crever. Ok, c'est un manga. C'est un anime. Mais cela dit... oui, pardon. Cela dit, je peux... Moi, ça m'a fait quelque chose, ce petit épisode. On va pas rentrer dans les détails. Mais on est dans l'abus. On va pas spoiler 15 ans, on va vite next. Mais cet épisode, exactement, t'as jamais eu de cœur. Je l'ai regardé. C'est pas nouveau. Oh, si, il a un cœur. Oui, ok, mais ça, c'est autre chose. Mais du coup, je regardais l'épisode et à la fin... en mode putain, parce que moi je fais partie de ce qu'ils appellent les anime only, puisque j'avais lu en manga jusqu'au début de cet arc là et après j'ai arrêté et oui j'étais un peu en mode et puis l'épisode à la fin et tout, c'est sympa. Max, juste pour être sûr, t'avais la ref du tweet? Je me suis enfui de table, tout ça, j'arrive pas à gérer. Ah mais pas du tout.
Ah oui, donc c'est bien ce qu'on pensait. Ah. Je vais essayer de retrouver l'original. En gros, c'était pendant. C'était que pendant que Notre-Dame brûlait, t'avais quelqu'un qui avait tweeté exactement ça. J'arrive pas à gérer, machin, voilà. Ah ouais. Parce que Notre-Dame brûlait. Ah bah j'avais pas la ref. Bah merci, tu vois, j'ai appris un truc. Écoute, j'étais full premier degré. Ah ben, j'étais pas le seul. J'étais suivi totalement. Hein. J'étais pas le seul. Bah tu vois, on apprend des trucs. Heureusement qu'Yohan est là, hein, quand même. Tellement de charisme. Et enfin, on termine avec la bonne question de Netflix. Évidemment, ils en posent toujours une bonne. Et la musique de film, série que vous êtes capable d'écouter en boucle. Il y en a plein. Hein. Ah bah il y en a plein, mais je t'en demande une. Vous écoutez en boucle. Ouh. Aucune musique de série. Moi je sais pas. Putain, aucune. C'est ah non. Aucune. Même de film, série. Mmh. Rien. Bah que vous écoutez dire... en boucle. Je vais dire ah, en boucle. Non, mais en boucle. Ah, en boucle. Ah, c'est une réinterprétation, Max. La question, c'est y a-t-il une musique de film que vous écoutez en boucle? La réponse est non pour moi. D'accord, très bien. Non. 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 À l'instant T, non. Mais bah voilà. Et ouais. Dieu, les gars. Ah, pardon. Non, vas-y, c'est Sky. Moi, j'écoute Bioman, le générique de mon enfance. Je me régale. Ça me rend un peu fou, mais je l'écoute en boucle. Putain, en vrai, Inception, ça passe bien, gros. Non, mais il y en a mais plein. En boucle, frérot. La musique de Hit avec, du film, elle est exceptionnelle. Gladiator, BO de très, très haut niveau. Il y a d'autres films. En plus, je me fais souvent la réflexion. Beethoven 2. La BO du Babe. Babe. Time. Ah, si, j'en ai un. Moi, j'en ai un aussi, mais. Rites Showman, ça, je l'ai écouté en boucle. Ah non, alors c'est une comédie musicale, je triche un peu, mais... Bah moi, je vais vous donner une dinguerie, hein, mon top 2 chansons Spotify de 2020, c'est Je suis ton ami de Toy Story, donc oui, j'ai pas mal écouté. Ah bah voilà. Tu es un putain de Strad. De Charlie Couture, mais Charlie c'est parce que j'aime bien, c'est deux minutes de pur plaisir, c'est de la nostalgie. Beaucoup écouté J'ai perdu le Nord de Donald Reignoux, un grand artiste, qu'on retrouve ici aussi, qui est dans mon qui chante bien également. Il chante voilà. Bien. Je le dis, je n'ai aucune honte, je kiffe. On me signale sur le runner que vous êtes presque 21 000 à nous regarder. Merci beaucoup d'être toujours plus nombreux à regarder le récap. Ça régale et c'est sur ces bonnes paroles que je donne la parole à Jiraya. Parce qu'il dit ça même quand on était. Et ben, oui, parce qu'on est dans les tweets, j'ai oublié. Mais toujours de plus en plus nombreux, non. Bah si. Non, mais ce que j'aime bien, c'est que tu disais ça il y a genre 3 semaines alors que les vues étaient moins grandes que tu vois, en septembre par exemple. Qu'est-ce qu'il est chiant. Mais dans un mood positif. Oui, non mais il n'y a pas de souci. Moi j'appelle ça du mensonge. Tu es capable. Confort affaibli, même si c'est difficile, peu importe les sacrifices. Ça encore. Tu connais pas la série? Tu connais pas ça? Tu connais pas la série? Tu connais vraiment pas? Bien sûr que non. Mais c'est top 1 Netflix. C'est qui? C'est top 1 Netflix. Et vous sortez la casserole en plus. Oh la vache. Bon là, ils sont en train de te troll. Tu connais pas ce jeune rappeur? C'est Doig. Doig Bee. Doig Bee, c'est un streamer. Tu es capable. Il a fait une chanson autour de plus fort. En gros, il a traduit. En gros, il a traduit une chanson de LOL, mais il a eu les énormes couillasses de chanter ça devant. En vrai, bien joué les couilles. Parce que les gens étaient entre la gênance et le respect, tu vois. Et c'est toujours ça. Au moins, il le fait, tu vois. C'est pas ton métier, c'est comme les humoristes. Des fois, les mecs sont pas marrants, mais montent sur scène devant des gens. Tu es capable. Et encore, c'est pire. Chose. Je sais pas, on peut pas parler avec ce genre. Non, mais non, ils sont pas. Non, mais c'est vrai que c'est pire parce que les humoristes mauvais. C'est encore pire parce que si tu sais que tu vas bider, c'est encore pire que. Moi, j'ai une théorie là-dessus. À un moment donné, je fréquentais une fille qui se lançait dans le stand-up et je suis allé la voir dans des trucs un peu sombres, hein, tu vois, où il y a vraiment les petits bars et salles. Ouais, les petites cafés à 10 personnes. Et je suis allé voir ça avec un pote à moi et tout, tu vois, et on se faisait cette réflexion, on se disait. Bon, déjà, le prime abord, c'est que tu as du courage d'aller même devant 15-20 personnes de dire. Je trouve ça hey, plus dur. Hein. Je vais vous faire rire. Déjà, ça, ce principe de dire. Ouais, clairement. Après, des fois, il y a quand même des textes. Là, on écoutait, il y a des textes, à moins que tu les écris. J'imagine que tu n'es pas tout seul. Il y a des gens autour de toi, de la famille. Tu dis, regarde, c'est tu marrant, testes. Pas marrant, marrant. Et à un moment donné, tu arrives et ça, tu l'as validé avec ton entourage. Et là, je ne comprends pas. Là, je ne comprends pas. Qui t'a dit que c'était marrant? Mais attends, là, tu ne parles pas de ta copine à ce moment-là. Elle était drôle. Je te. Coussi, coussa. Je voulais. Il y avait de l'énergie. D'accord, il y avait de l'énergie. Il y avait de l'énergie. Il y avait un panache. C'est... Non, mais c'est les débuts, honnêtement. Il y avait quelque chose, il fallait bosser. Mais il y avait de l'énergie. Il y a des gens qui sont arrivés sur scène. Je voyais... Mais sur l'écriture, parce que moi, c'est ce qui me plaît le plus, même que ce soit dans la musique ou dans le. Et là, ça marchait pas.
Mais moi, je me dis, mais à un moment donné, il n'y a pas des gants autour de toi pour te dire, non, va pas là-dessus, non, c'est pas, ça ne marche pas. C'est terrible. Moi, je... Mais par contre, tu as des gens qui ne se démontent pas. Ça fait flop, flop, flop. Et les gars sont là, ouais, et là, je marche dans la rue, là. Et là, tu as 20 personnes qui le regardent, qui font, mais frère, on n'a pas compris. Quand est-ce qu'on rit? Et alors que là, je dis, Et donc, je suis partagé entre le fait qu'il est complètement inconscient qu'il est très mauvais. Mais en même temps, il a un courage incroyable d'arriver et de pas dire bon, ça marche pas, je me barre. Et puis à la fin, quand il sort, il est en mode fou. Peut-être, mais en tout cas. Public difficile aujourd'hui. Si tu t'arrêtes au premier bid, tu feras jamais carrière. Tu vois, non, mais en vrai, je trouve qu'il y en a qui sont bons sur scène, mais qui ont un très mauvais texte. Comment ça? Oui, mais t'as la présence sur scène. Ils ont le talent d'agir. T'as l'impression qu'ils jouent des exemples bien, concrets. T'as de la présence sur scène et t'as. C'est oui, quoi, mais... en chanson, t'as Céline Dion qui a une voix incroyable, nana, et puis t'as Alain Souchon qui écrit des chansons fantastiques. Donc les deux, après, tu vois, tu peux. Mais t'as plein de profils, mais à un moment donné, il faut que le texte soit un peu marrant. Ou alors, tu fais du Omar Sy ou du Silla, là, où t'as une énorme présence, et par ta gestuelle, tu peux compenser par moments des textes un peu plus bateau. Ouais. Mais en tout cas, il faut trouver ton style. Mais moi, à bout d'un moment, il y a des gens, si je te dis, moi, je me dis, putain, mais... Donc ce texte-là, j'imagine qu'il ne le sort pas de à une heure. Putain, mais qui te valide ça? Moi, tu peux dire, viens, on va bosser un peu, on va réussir. C'est tellement dur d'écrire un truc drôle, grand. Par contre, je pensais pas qu'il y avait autant de gens qui aimaient faire ça, se mettre dans le stand-up, même sans prétention. Ouais. Juste venir raconter des trucs, je me dis, putain, les gens, ils ont des couilles. Même si, par contre, ce qui est terrible avec l'humour, c'est que, autant la chanson, bon, tu dis que c'est nul, t'aimes pas, nana, mais l'humour, t'arrives, t'es censé faire rire les gens, t'arrives, les gens rient pas, c'est le pire truc du monde. Hein. C'est trop dur. Mais la casserole... Tu parlais des publics, je trouve que ça fait encore plus peur, les artistes qui viennent... Et ils ont genre 50-40 personnes, c'est des petites salles, que d'avoir un gros public. Enfin, il y a beaucoup d'artistes qui sont plus tétanisés. Parce qu'en fait, dans un public, d'accord, de 10 000 personnes, bon, j'abuse le truc, mais frère, quand il y en a quelques-uns qui vont rire, ça va, ça résonne, ok. Là, dans la salle, t'as 30 pelés et t'en as un qui rigole. Ça, c'est dur. Tu te sens, quand il y a 1% de 1000 qui rigole, ça fait 10 mecs. Bah, ouais. Quand il y a 1% de 10 mecs, il y a 0. Surtout, ce que disent souvent les humoristes, c'est que tu vois, et c'est Eboué qui disait ça, c'est que dans les petites salles, tu vois la réaction des gens. Ouais, de suite. Direct. Et après, non, c'est très dur. Mondial, hein. Regarde, des fois, des fois, on fait les cons et tout. Déjà, surtout moi, des fois, tu fais des blagues, elles passent pas. Tu sais, bon, on en rigole, elle est nulle et tout. Mais bon, déjà, ça fait un peu. T'as pris un petit coup. Ben, ça fait mal. Dans le foie. T'imagines si tu dis à des gens de venir payer pour venir te voir et que c'est pas marrant. Ouais, je comprends tout à fait. Hein. Moi, je sais qu'il y a plein de gens, alors, sans vouloir. Ma mère, dans la famille, disent, mais tu devrais faire du stand-up. Jamais de la vie, je fais ça. Jamais de la vie je fais ça. Pourtant, tu nous régales tous les mardis. Oui, mais ça n'a rien à voir déjà. C'est pas du stand-up, c'est de la ça n'a rien à voir de faire rire en famille à table ou de faire rire dans des émissions comme ça. Laurent Baffy, par exemple, qui est pour moi le meilleur sniper de l'histoire de la télé, sur scène, en one-man show, c'est une catastrophe. Par contre, c'est lui qui a écrit par contre plein de spectacles pour d'autres gens. C'est un humour que j'adore, mais c'est un mec sur scène en tête à tête. Avec le public, il n'a jamais réussi. Puis donc, les clés de bagnole, mais on est d'accord. Il y a des gens que je ne verrais pas faire cet exercice. Honnêtement, Xary, je le vois plus comme ça dans le live, comme ça, de te sortir la balle au bon moment. Jamais. Autant Jiraya, j'aimerais beaucoup le voir. Ouais, bon, c'est pas pareil, après. Tu vois, Jiraya serait pas pareil. Après, honnêtement, il faut bien écrire. Faut avoir une présence sur scène, c'est pas un métier. Tout le monde là avec le Jamel Comedy Club, tout le monde s'est devenu un peu la main. Tout le monde a voulu un peu se lancer. Honnêtement, c'est pas un métier qui s'improvise. Est-ce que tu trouves pas que ça fait 10 ans qu'il est drôle? Non, mais je parle pas de Gigi. Est-ce qu'il est drôle sur scène? En fait, je pense que Jiraya, c'est ce que je t'ai dit, il est drôle en impro, mais sur un texte, je suis pas sûr que. Et tu sais qu'il y a l'inverse, hein. C'est pas parce que des mecs sur scène sont marrants que dans la vie ils sont marrants. Moi, je me suis retrouvé dans les soirées. Moi, je me suis retrouvé avec des humoristes sur des soirées et tout, mais gros, mais je fais. Les mecs pas marrants, c'était. C'est souvent quand ils écrivent pas que. Petite d'autoblase là. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose de faire rire dans la vie de tous les jours, avoir de la répartie, rebondir sur un truc, c'est quelque chose, c'est une qualité. Et faire rire sur scène et remplir des salles, c'est un autre truc. Et les deux ne sont pas forcément toujours. Communiquent pas toujours. C'est vrai. Est-ce que tu trouves pas que dans le PAF actuel, il y a vraiment des mecs ou des filles qui sont vraiment nuls à chier, quoi? Je ne dirais pas sur terrain, on va pas commencer à sortir des noms. Non, mais j'ai pas demandé des noms. Il va genre dire oui et puis. Non, mais parce que tu vois, tu parlais de. Qui a validé cette vanne, machin, etc. Mais gros, quand tu regardes. Moi, des fois, je regarde. Je suis comme ça. 10 minutes de spectacle. Je ressors. Bon, je suis à deux doigts d'en finir, ok? Mais
tu te dis qu'au même moment, il y a un mec qui a regardé la vidéo, il était « Oh là là, apportez-moi tout, je meurs de rire !» Parce que, mais oui, parce que gros, il y a un public pour tout. Il y a un humoriste vraiment, qui est pourtant un bon acteur, mais que j'ai trouvé, l'humour pour moi, c'était par exemple Danny Boone. Sur scène, je trouvais ça, mais dramatique. Je voyais un mec, le mec remplit des salles, quand même, tu vois. Respect, là-dessus. Mais moi, je le voyais arriver, je me souviens, je l'ai vu arriver avant qu'il soit acteur, donc, milieu des années 80, fin 80. Ah, le fameux Kawai. Il mettait son Kawai, il faisait « Le Kawai !» Mais c'est, je voyais les gens, mais pliés en deux. Et un jour, je suis au ciné avec mon ref. On est là et il y a une bande-annonce qui passe de Bienvenue donc, chez les Ch'tis. Non, une bande-annonce qui passe donc de comment il s'appelle, je viens de le dire là. Danny Boone. Oui. Et il y a un couple à côté de nous, 45 ans, 50 ans, et qui dit ah tu te souviens quand on l'a vu en spectacle, on s'est régalé et tout. Et là j'ai compris. Tu vois, pour moi c'est pas écrit, c'est juste un mec qui faisait un accent à moitié Ch'ti, à moitié un peu. Bébête. Ça, je peux pas dire, c'est pas une question de pas écrire, c'est juste là, il met en scène ce que fait tout le monde. Ça dure une heure et demie. Mais gros, mais il met en scène des situations quotidiennes, et bien sûr. Mais je te dis pas que t'as tort, mais je te dis que c'est littéralement l'avènement qu'il y a eu des podcasts ça, après sur YouTube. Tout ça pour te dire finalement, il y a des gens qui vont rire de ça, il y a des gens qui vont rire d'autre chose. Roland McDan, l'abeille sur le nez et tout, frère. Il a 40 ans de carrière, il remplit des salles. Moi, Roland McDan, au bout d'un moment... Le réveil. Elle a notice, elle est en japonais, elle va comprendre. J'ai toujours du respect pour le succès. Il n'y a pas de problème, j'ai un respect pour le succès, mais il y a... Et moi, il y a vraiment de l'humour et j'ai de plus en plus de mal à trouver des humoristes qui vont me faire rire. Il faut dire, je ne suis pas la cible. Et là, c'est vraiment c'est la magie, ça, gros. Est-ce que c'est pas juste on vieillit et ça ne nous parle plus? Ah, il y a ça aussi, en gros, parce que quand j'étais gamin, c'est comme pour y a la des musique. Spectacles de Gad Elmaleh. La musique, ça te parle plus, gros. Après, vraiment. La musique me parle tout le temps. Vraiment. Mais l'humour, moi, je crois que l'humour, ça doit traverser les générations. Il n'y a pas d'âge. Ouais, mais Erwan, est-ce que tu t'es déjà retrouvé face à un spectacle et genre, t'étais mort de rire du début à la fin? Moi, perso, je suis comme Gigi, je pense. Je suis super mauvais public. Ouais, alors, il y a quand même des mecs qui m'ont mis des dingueries. Par contre, Mustapha Alatraci, Proust, combien sur 1000 humoristes en France, tu vois. Mais moi, je sais qu'en spectacle, il y en a 5 qui me font rire. Qui je vais voir, je vais jamais au hasard. Je sais que moi, depuis que ça fait plus de 10 ans que je suis à Paris, j'ai vu les 3 déboués, je me suis éclaté. Ah oui, Boué, il est fort. J'avais vu le comte de Bouderbala, son premier spectacle, je m'étais régalé. T'as Blanche Gardin aussi. Blanche Gardin, j'ai pas vu en live, mais alors après, il y a le truc que. Après, le fait d'être. Le Domaine Gijol, mais j'ai pas vu en live, mais arrêtez. Mais le fait d'être dans son canapé des fois sur des mec, pareil. Tu sais pas, c'est, tu vois, c'est pas pareil que quand t'es dans la salle, mais t'es pris dans le truc et t'es dans une autre. Pareil. Farid me fait sourire, beaucoup sourire, il est fort en scène et tout. Moi, Farid me fait pas pleurer de rire. Il me fait, je passe un excellent moment à chaque fois, ça glisse, c'est bien écrit, c'est parfaitement joué, il a son truc. Franchement, c'est nickel, Farid. Ouais. Et par contre, je ne pleure jamais de rire. Par contre, il me fait sourire. Ah ouais, bien joué. Ah, c'est bien. Et ça glisse. Il y a toutes les salles. Bien joué. Oui, c'est bien. Non, mais des fois, moi, j'adore. Moi qui écris un peu des trucs, des éditos pour le basket, qui n'a rien à voir. Mais j'adore quand les mecs, dans l'écriture, ils arrivent à enchaîner. Je me dis, ah, ça, c'est bien. J'aime ça, moi. Mais je te dis, Farid, je le trouve excellent. Présence de fou sur scène. Je pleure pas de rire. Et des fois, j'ai envie que les mecs me fassent pleurer de rire. Comment il s'appelle celle qui a le nid de Piaf sur la tête, là? Il s'habille toujours en rouge. Ah, Blanche Gardin. Non. Roumanoff. Alors ça, c'est Kata aussi, par contre. Mais c'est une autre génération, ça. Oui, c'est une autre génération. D'accord, ok, mais bon, au bout d'un moment... Mes parents, ils étaient MD. Mais au bout d'un moment, ces gens-là vont arriver en fin de vie et du coup, ça va être plus dur de faire rire. Roumanoff, elle est animatrice radio. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Shirley et Dino. Ah oui, Shirley et Dino. Oh là là. C'est obscur, Charlie Dino. Moi, mais... après Charlie Dino, pour moi, c'est pas des humoristes, on est plus dans le clown, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est plus Charlie Dino. J'adore quand j'étais petit. Dans le grand kidolesque. C'est la blague du Et les deux Toulousains là qui remplissent des salles, comment ils s'appellent? Big Flo et Oli. Non, les deux Toulousains. Les deux Toulousains. Des mecs qui doivent avoir 50 balais, un peu plus aujourd'hui. Mais les municipaux là. Je suis pas chevalier de la Spalès, c'est chevalier du fiel. Chevalier du fiel. Oh, c'est les pires. Ils sont blindés, ils vont partout en France, ils remplissent des salles. Tu sais où c'est qu'ils jouent? Ils jouent à New York, mon frère, c'est même pas une balle. Je comprends. Ils jouent leur spectacle à New York. Il y a des mecs qui sont cata, les Baudins, frère. Ça vient de chez moi, par contre, on touche pas. On touche pas, les Baudins. Madola niçoise. Les gars, je sens que vous vous emballez. Les vents. On ne s'entend plus, en fait. J'avais oublié les vents, putain. Tout ça pour dire qu'il y a un public pour chacun.
blanche. Part. Et c'est vrai que quand. Et en fait, c'est très dur de comprendre quand un truc. Mais Robin fait pas Desbois. Rire, pourquoi ça fait rire un autre à. Bah, écoute, c'est comme en fait, ça, c'est très dur à comprendre. Ah ouais, souvent. C'est dur. C'est que, mais quoi qu'il en soit, c'est que monter sur scène devant un public, c'est très très dur. Et respect à peu importe qui c'est. Sauf Anne Roumanoff. Merci. Oui, et bien, c'est sur ces bonnes paroles, les amis, que ce débat va se calmer, puisque je vois qu'il nous reste 30 minutes et que ça veut dire que c'est l'heure du quiz de la Gige. Donc, vos tweets. On a juste un tweet à passer, c'est celui le premier de Jiraya. De toute façon, c'est le seul que j'ai. Voilà. Allez, vas-y. Allez, je vous mets Masterclass de David, petit tard, montage sur notre ami Blanquer en ce moment qui s'essaye à de la petite dinguerie. Ok, yo. Attends, c'est quoi ça? C'est la vie. C'est pas moi qui peux disparaître dans les écoles. Ok. Liberté. Très fort, David. Et juste avant, de passer au quiz aussi, j'avais quand même une petite annonce à faire. Vu que ce soir, il n'y aura pas la Discord, ah oui, mesdames et messieurs, ce ne sera pas ce soir après le Stream Challenge. L'émission est demain soir à partir de 20h30. Hein ? Ce soir, ce n'est pas le Stream Challenge. Si, si, c'est le Stream Challenge ce soir. Après, ce soir, c'est moi qui apprends à jouer à NBA 2K avec Coma et Broken tout de suite après l'émission. À 21h. Donc tu veux nous piquer nos viewers. Moi je te dis, je viens de recevoir un message de Thomas. N'hésite pas à dire qu'à 21h, je suis en direct sur le stream avec Broken et Thomas. 21h. Pour qu'ils m'apprennent à jouer à NBA 2K. Bah, j'aurais bien aimé être au courant. Les gars, si vous avez pas. Sur le stream. Attends, Johan, t'as des infos sur ça? Alors, c'est quoi ce bordel? Ah non, c'est sur notre chaîne de Twitch. Je me disais bien qu'il y avait quelque chose. C'est pour ça que tu lui pas de payer à manger, ça le chien va. Non, d'accord, je fais ma promo aussi. Pour ce tacle à la gorge non mérité. Tu fais ta promo alors que. C'est qu'il n'y a plus rien qui va là. On est au courant. Tu fais un promo à un moment. C'est sur notre prochaine Twitch et ça sera bien plus intéressant que votre merde. Voilà. Tu fais ta promo à un moment un peu chiant aussi parce que c'est aussi la fin de la Discord. Vu que demain ce sera la dernière de l'émission sur le stream et du coup c'est pour ça qu'on l'a fait en prime. À 20h30, tu peux dire avec à cause de quel viewer Norman Genius, avec Nameless, et aussi on sera avec Gigi et moi-même sur l'émission pour cette dernière. On parlera un petit peu, un récap de ce que c'était l'émission, vos meilleurs moments, tout ça, on partagera ensemble. Ok. C'est ça. Il y a des morts. On fera un grand récap de ce que c'était. Feu. Ah oui, vu que c'est la fin de l'émission, donc non, c'est pas best la fin. Moments. C'est pas la fin. T'auras fait une émission quand même, Xavier. Ouais, c'est vrai. Et une émission où j'étais pas là en plus. Mais invite-moi. Mais c'est la seule émission où il s'est fait insulter par un viewer. Quoi. Oui, c'est vrai. Oui, c'est on vrai. Reviendra dessus demain. Elle est en stand-by ou tu vas là, elle va revivre ailleurs? De quoi? C'est pas. Elle est en stand-by ou elle va revivre? Pour l'instant, c'est en stand-by pour des raisons que vous saurez un petit peu plus tard parce qu'on va on pas révéler des pourquoi, choses. Pourquoi évidemment tout ça. Au pire, fais la Discord, mais t'invites personne à appeler et je la fais tous les jours. Bah ouais, ça c'est possible. Ça s'appelle possible. La discute. La discute. Ce sera la disquette. La disquette, entre nous. Ça me va. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est en stand-by, mesdames et messieurs. Et je vous invite du coup demain à être tous là demain, pour en profiter. Les infos, exactement. Allez. Plus d'infos très bientôt, les amis. On continue le quiz. Let's go, jingle. Jingle. De me parler comme ça. Hein. Allez, on en va. Bon, il y a un bruit ici. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, avant que ce quiz commence, même si on a très peu de temps, David a effectué une petite infographie. Est-ce qu'on peut l'afficher directement sur le PC sujet qui est utilisé par Yohan? Oh wow. Depuis janvier 2021, Xari est top. Je suis l'élève du Gobu, moi. 75 de moyenne, 14 points en moyenne pour notre ami Max, 13 pour l'élève du Gobu. Mais moi, j'ai été absent une fois. Hein. Il m'a barbé, ton ouais, point, là. Parce que, alors, en fait, il faut savoir qu'il n'est pas dans les stats, mais Jumpé a été là une fois. Il avait fait 12 points. C'est donc, sur quelle année, ça? De début janvier 2021. Ah, c'est juste. Ah, c'est ça. Ah, bah oui, d'accord. J'ai eu que des thèmes de salope aussi. C'est pour ça. Sincèrement. On va s'offusquer à chaque fois qu'il y a une insulte maintenant sur le plateau. Attends, les thèmes, non? Non, après question rapidité. Ça va être des questions très très simples. Quel plat a été cuisiné? Amande au miel. C'est une mauvaise réponse. T'abuses pas. Erwan, ce week-end. Une pizza! Une c'était une chanson de... Ça commence bien, je vous l'annonce! Ils sont trop nuls, une chanson de... C'était une chanson de... Vous voulez que je vous spoil? Vous voulez que je vous spoil le quiz? Je vais vous baiser! On a préparé la bénédiction, j'avais préparé la prédiction! Allez, on se penche, c'est parti! Attention, combien font? 4. C'est une mauvaise réponse. Il a tenté vraiment! Putain! Multiplié par 0.
0. Oui. Quelle ambiance! Prochaine question! Je peux ouvrir un fumigène? Forcément! Qui était le dieu de la guerre dans la mythologie grecque? Arrête! C'est une bonne réponse et nous avons l'ordre! Bravo bon. À tous, Max! Mais tu sais quoi? Deuxième. C'est pas un choix dernier, de toute façon, à chaque fois, je leur laisse les quiz qu'ils veulent. Donc, exactement, aucun souci. C'est fabuleux, les thèmes. Jeux vidéo d'horreur! Oui! Okay, inventeur vas-y. Et invention. La cour de récréation. Attends, je suis pas bien. Cours de récréation. Série Amazon Prime Vidéo. Non, mais non. Et ce n'est même pas une OP, on prend même pas un billet là-dessus. Autour des châteaux. Virement. Merde ! Non, mais ça va, frérot. Stéphane Oscar Bernd. Du meilleur réalisateur. Non, mais frère. L'année 1976. Oh non, mais gros. Et le quiz mystère. Ouais, c'est pas, on va prendre le quiz. Les trois dernières, elles sont. Attends. Les gars, pas de musique, mais. Voilà. Je préfère ça que la musique, perso. Hein, je préfère la musique. Pour une fois, tu gagnes le jeu de rapidité. Non, mais je l'avais déjà gagné. Mais là, je vais baiser personne. Je vais tout. Je vais aller sur le quiz mystère. Je te dis, il y a rien qui m'excite. Attends, l'année 1976. Bah, j'étais pas né. Mais alors, c'est sûrement des trucs faciles. Non, non, non. Je vais. Je vais nous apaiser. Je vais tenter le quiz mystère. Le quiz mystère écrit par mes soins, ah, messieurs dames. Aujourd'hui. Le mystère direct. C'est la première fois que tu le prends, non? Pitié, le pible. Marc et modèle. Automobile. Oh, oh là là, c'est bon. Oh, en vrai, c'est bien pour lui. C'est tellement facile. Ouh, j'ai envie de grignoter celui-ci. Tu prends ta streak. Ah bah oui. De la streak, moi. T'as un mec de la streak. Streak-like. 90 secondes, on a très peu de temps. 3, 2, 1. À quelle profession associe-t-on généralement le Renault Kangoo jaune? Facteur. C'est une bonne réponse. À quelle marque française appartient le modèle 308? Peugeot. C'est une bonne réponse. Bon. À quelle plante piquante est associé le nom d'une automobile Citroën? Cactus. C'est une bonne réponse. Comment se nomme la petite citadine électrique de chez Renault? Zoé. C'est une bonne réponse. À quel groupe japonais appartient le constructeur automobile Lexus? Suzuki. C'est une mauvaise réponse. À quelle marque appartient le modèle Urus? Volkswagen. Oh la vache. Quelle marque est surnommée la marque à l'hélice? Si. Oh. L'hélice. Quand même. La marque. Moi. Trois branches. Mercedes. Mais non, c'est une mauvaise réponse. Ouais. De quelle nationalité est le constructeur automobile Bugatti? Tu l'as baisé. Italien. C'est une mauvaise réponse. Quelle marque est représentée par des étoiles sur un fond bleu? STP. Ford. C'est une mauvaise réponse. Le 16 janvier 2021 se forme le groupe automobile franco-italo-américain Stellantis. Il résulte de la fusion de deux constructeurs. Lesquels? Je passe. À quel groupe japonais appartient le constructeur automobile Lexus? Honda. C'est une mauvaise réponse. À quelle marque appartient le modèle Urus? Je sais pas. À quelle marque? Quelle marque est surnommée la marque à l'hélice? Je sais pas. Oh, y a... De quelle nationalité le constructeur automobile Bugatti? C'est pas italien, c'est, je sais pas moi. Je sais pas. Mexicain. C'est une mauvaise réponse. Et quelle marque était représentée? J'ai mis 100 000 points sur Erwan, je suis un peu en sueur. Tu sais que le quiz était extrêmement simple. Urus, ça me dirait. Ah si, si, si. Si, objectivement, il était très simple. Lexus appartient à... Il n'y a pas un Ferrari, il n'y a pas un Ford, il n'y a pas un Ferrari. C'est Toyota, évidemment, c'est le Lexus hybride. Mais lui, il est fan de voiture, donc c'est sûr, c'est facile. Le modèle Urus. Lamborghini. Bah oui, le SUV, Lamborghini. La marque à l'hélice. La marque à l'étoile, c'est Mercedes. La marque à l'hélice, c'est BMW, évidemment. L'hélice. L'hélice, c'est une hélice, c'est quatre trucs, ça forme une hélice. C'est des trucs bleus, bleu, blanc, bleu. Le logo, je le vois mais parfaitement. Que... Je vois pas à quel moment oui, c'est une hélice, mais... Non, mais alors, on ne remonte pas dans les mêmes hélicos, apparemment. De quelle nationalité le constructeur automobile Bugatti? Français, évidemment. Ah, ouais, c'est la petite... Quelle marque est représentée par des étoiles sur un fond bleu? On n'a pas trop en France. C'est Subaru. C'est Subaru, exactement. Ah, putain, et du coup, PSA et Fiat Chrysler qui ont fusionné pour faire Stellantis. C'est tout récent, voilà, le groupe PSA. Et Fiat Chrysler, ça c'était la question très difficile. Tu m'as... Sache que tu m'as déçu. Subaru, non mais t'es fou. Okay. Quoi, tu vas dé... Moi je suis archi pas déçu. Allez, cours de récré. Subaru, je me suis fait un peu baiser. Cours de récré, ça fait 4 points pour notre ami, malheureusement. Ici, cours de récré. La cour de récréation. Xari, streak. Les Jojos, les Jojos qui vont tomber. Allez, ça se streak ici, 92 secondes. Les thèmes, les châteaux et tout, gros, cours j'ai pas streaké, hein. De récréation, 3, 2, 1, c'est parti. Dans quel jeu dessine-t-on des cases colorées numérotées sur le sol, sur lesquelles Marais. Les joueurs... C'est une bonne réponse. Que faut-il faire lorsqu'un enfant déclare « le sol est en lave » ? Il ne faut pas toucher le sol. Oh, bravo ! Dans quel jeu pour enfants peut-on manipuler des mammouths, des calots, des œils ah, de chat,
est une bonne réponse. Dans quel jeu un enfant se fait bander les yeux et doit retrouver les autres joueurs? Colin Maillard. Ah pardon, excuse-moi, oui, c'est une bonne réponse. Colin Maillard. Comment appelle-t-on le Pog épée qui est jeté par le joueur sur la pile de Pog pour en retourner le plus possible. Du coup, j'ai pas écouté, pardon, désolé. Comment appelle-t-on le Pog épée qui est jeté par le joueur sur la pile de Pog pour en retourner le plus possible? Ah putain. C'est dur. Le lanceur. C'est une mauvaise réponse. Ouais. Quelle maison d'édition italienne était connue pour ses albums d'images autocollantes à collectionner? Panini. Une bonne réponse. Dans quel jeu les participants essayent de passer d'un côté du terrain de jeu à l'autre sans se faire toucher? 1, 2, 3, soleil. Non. C'est une mauvaise réponse. Ah, c'est la au jeu 1, 2, 3, soleil, comment s'appelle le point de départ? Aucune idée. Dans une variante du jeu du béret, que doit crier l'arbitre? Salade. C'est une bonne réponse. Dans le jeu musical, le fermier dans son pré, qu'arrive-t-il à l'enfant étant désigné comme étant le fromage? Il peut plus bouger. C'est une mauvaise réponse. Comment appelle-t-on le Pog épée qui est jeté par le joueur sur la pile de Pog pour en retourner le plus possible? Putain, le jump, je sais pas. Le Pog en plastique. Dans quel jeu les participants essayent de passer d'un côté du terrain de jeu? C'est pas la chasse à l'épervier? C'est l'épervier, c'est une bonne réponse. Au jeu 1, 2, 3, soleil, comment s'appelle le point de départ? Le crépuscule. C'est une mauvaise réponse. C'était le poupou, le poulailler. Ah oui, ah bon, retour au poulailler. Ah. Et du coup, je me rends compte qu'on appelait tous nos jeux différemment parce que j'ai quasiment jamais entendu ce que t'as dit. C'est un peu compliqué, mais là c'était. Honnêtement, il a été salaud de mettre pour la streak le truc du Pog parce que jamais joué au Pog de ma vie. Ça s'appelle le Kini, je ne savais pas. Ah si, putain. Jamais joué au Pog de ma life, moi, trop dur. J'ai pareil. J'avais jamais ça. J'avais la collection, mais personne jouait vraiment au Pog. Ah, tu nous fais quand même 4, 5, 6. Même pas les talismans de Jackie Chan, ça dégoûte. Un 7 points et alors. Streak raté. Le jeu musical, le fermier dans son pré. Qu'est-ce qui arrive, c'est il est battu, on fait semblant de le taper. Voilà. Jamais joué à un jeu où on battait des gens. C'est soit tu te bats, soit tu te bats pas en fait. Donc voilà. Hugo, c'est à toi. Jeu d'horreur, bien sûr. Jeu d'horreur, évidemment. Jeu vidéo d'horreur. Sa spécialité, streak. Je n'ai pas besoin de poser la question. Ouais, on streak, on essaye. Xary s'en va, le cœur léger. Et les couilles pleines. On y va. 90 secondes. 3, 2, c'est parti. Quelle célèbre licence de jeu horrifique met en scène la société Umbrella, la ville de Resident Evil. C'est une bonne réponse. Dans quelle série de jeux incarne-t-on un gardien chargé de surveiller des animatroniques dans une pizzeria? Five Nights at Freddy's. C'est une bonne réponse. Dans quel jeu d'horreur incarne-t-on Joel et Ellie dans des États-Unis? The Last of Us. C'est une bonne réponse. Quelle licence japonaise de jeu d'horreur propose aux joueurs de capturer des fantômes à l'aide d'un appareil photo? Project Zero. C'est une bonne réponse. Quel jeu de Red Barrels se passe dans un hôpital psychiatrique? Outlast. C'est une bonne réponse. Quel jeu d'horreur développé par la Bluebird Team est adapté d'un film de 1999 suit l'ancien officier de police Ellis Lynch alors qu'il se joint à la... Observer. Pardon? Observer. C'est une mauvaise réponse. Comment s'appelle le héros de Silent Hill 2 à la recherche des traces? James. De sa... C'est une... T'as son nom complet? James Sunderland, un truc. C'est à une bonne réponse. Dans quel jeu horrifique peut-on explorer la base sous-marine Pathos 2 en l'an 2104? Dernier refus. Soma. C'est une bonne réponse. Quel jeu d'horreur? À l'origine, un mode du jeu Half-Life, développé par Team PsychSalar, propose une campagne en solo ou coop à 4 joueurs où l'un incarne. Ah, Left 4 Dead. C'est une mauvaise réponse. Quel jeu développé par HomoCatch, RPG Maker, utilise des éléments d'horreur psychologique pour explorer les traumas et phobies de son personnage principal nommé Sunny. Ah, c'est le truc de PewDiePie, là. Je m'en rappelle plus du tout, vas-y, passe. Quel jeu d'horreur développé par la Bluebird Team est adapté d'un film de 1999 suit l'ancien officier de police Ellis Lynch alors qu'il se joint à la recherche d'un garçon disparu dans la forêt de Black Hills? Je tente The Medium, mais c'est pas ça. C'était Blair Witch. Ah, c'est Blair Witch. Ah ouais. J'ai oublié qu'ils avaient fait ça. Et ouais. Sorti de ta petite tête. Bah, plutôt content, ça va. T'as été bon, tu marques la première streak. Ah, il était plus chaud. 3, ça fait 8, 9. Petit 10 points. 9, ah bon? J'ai fait qu'un point streak, je crois. Ah bah, il manque les deux derniers et Blair Witch. Ah, tu l'as eu Soma? Il a eu Soma, ouais. Ah oui, pardon, bah oui, c'est bon, c'est nickel. Je crois que j'ai eu les 5 premiers et ensuite. Ouais, non, mais c'est plus. Bon, après, j'ai juste à sauter un truc. Donc, Blair Witch, que t'as loupé Soma, c'était bon. Le jeu de PsychSalar, putain, c'était dur à dire. Ouais, c'est quoi ça? C'était Cry of Fear. Ah oui. Ah voilà. Ouais. Cry of Fear. Et le dernier, RPG Maker, Omori. Ok, mais c'était pas ça que je pensais. Aucun regret du coup. Cry of Fear gratuit sur Steam si vous voulez. Très belle streak ici. Il nous reste 15 minutes. Oui, on est bon, on va tenter l'année 1976. Oh, il se streak celui-ci ou il se streak pas? Écoute, je vais pas être meilleur sur le reste, donc oui. Oh, bah, ça part en streak ici directement. Hugo est en tête actuellement. Très bien, sur sa spécialité. Attention, 3, 2. Fais caca?
C'est parti. Quelle société fondée par Steve Jobs et Steve Wozniak en 1976 a pour logo une pomme ? Apple. C'est une bonne réponse. Quel rappeur français né en 1976 est l'auteur des albums Lunatic, Westside, Future et Duke ? Come on. Hey. Booba ? C'est une bonne réponse. Quelle enseigne française de distribution d'articles de sport fondée en 1976 a pour slogan « À fond la forme » ? Décathlon. C'est une bonne réponse. Quelle romancière anglaise surnommée « La reine du crime », auteur des romans Hercule Agatha Poirot ? Christie. C'est une bonne réponse. Quel humoriste français né en 1976 mélange en spectacle de magie et humour a intégré le jury de la France à un incroyable talent en 2015 ? Humour. Ouais. Prends ton temps. Ouais, je sais. Éric Antoine. C'est une bonne réponse. Pour les questions. Quel acteur joue le rôle principal du film Taxi Driver sorti en 76 ? Comment dû prendre ça, moi ? De Niro ? C'est une bonne réponse. Quel homme d'État et chef militaire chinois mort en 76 a fondé la République populaire de Chine et est devenu le dirigeant suprême du Parti communiste chinois ? Oh man, comme dirait mon ami. Oh man. Mao ? C'est, ouais, et la suite ? Mao Tse-tong, c'est bon. Dans quel film de 76, Louis de Funès incarne-t-il un critique gastronomique qui voudrait que son fils Gérard, joué par Coluche, lui succède ? Avec Coluche, il n'a pas fait 50. Mais. J'ai un trou de mémoire. Ouais, mais il n'a pas fait 50. Je l'ai pas. Tu l'as pas, c'est pas grave. Quel judoka française né en 76 et vice-championne olympique ? Je l'ai pas, next. Quel homme de lettres français, cofondateur du groupe littéraire Oulipo et auteur des livres Zazie dans le métro et 1000 milliards de poèmes est mort en 76, c'était bien sûr. Allez. Raymond Queneau. Eh ben merci à Raymond Queneau. Sérieux, la question de ouf. Bah, il avait peut-être le droit d'en mettre une mur, non ? Ouais, bah c'était oui. Tellement film. Facile, je suis à part le film. L'aile ou la cuisse, Louis de Funès. C'était quoi le judoka là, voyons. Alors c'était quel judoka française né en 76 et vice-championne olympique lors des Jeux Olympiques 2000 de Sydney et championne du monde en toute catégorie lors des Mondiaux 2000. Les deux dernières, j'aurais pas vu. Céline Giraud. Céline, c'est bien, mais c'est Lebrun. Lebrun. Céline Lebrun, ah oui. Et oui. Je fais le gars, mais jamais entendu parler de ma vie. Céline Lebrun, elle a été éclipsée par David Couille. Je sais pas qui c'est. Pardon. Et l'autre, c'était quoi ? Raymond Queneau. Non, entre les deux. C'est tout. Il va rien, pardon. Tu t'es mis bien. Tu t'es mis très très bien. C'est un 7 plus 5, 12. Ici, on repart directement. Tu as battu. Du côté. Ah, c'est le thème le plus facile. Tu as battu. Ouais, il est abattu aussi. Tu as battu le quiz mystère, il me met dedans. Prends les Oscars, non ? T'as forcé. Oscar, série Amazon Prime. Oscar. Mais toi, t'es un mec de cinéma. Ça fait partie du jeu. Bon, là, je dis ça parce que je l'ai eu, mais ça fait partie du jeu de trouver les quiz faciles, tu vois. Aussi, c'est vrai. Non, mais il n'y a pas d'ailleurs, on n'y a rien. Juste, t'as bien joué. Et les augmentes, pas les chiffres, on a vu l'infographie tout à l'heure, donc on n'est pas deuxième par hasard, si je peux me permettre. Oscar du meilleur réalisateur, on est parti, 90 secondes. Erwan, 3, 2, 1. Qui a réalisé Il faut sauver le soldat Ryan et la liste de Schindler, tous les deux récompensés de l'Oscar du meilleur. Steven Spielberg. C'est une bonne réponse. Quel film de James Cameron mettant en scène le naufrage d'un célèbre Titanic. Pavre, c'est une bonne réponse. Quel film coréen sorti en 2019 a reçu l'Oscar du meilleur film ainsi que l'Oscar du meilleur réalisateur en 2020? C'est pas ça. Pas celui-là. Je passe, tu vas me revenir. Ça, c'est un porno. Comment s'appelle le troisième film de la trilogie Le Seigneur des Anneaux et ont reçu l'Oscar du meilleur réalisateur. Je connais pas cette merde là. Quel film ? Oh ! Attends, redis là, vas-y. Comment s'appelle le troisième film de la trilogie Le Seigneur des Anneaux ? Les deux tours. Ah, dommage, c'est le deuxième. C'est bon. Quel film musical de Damien Chazelle avec Ryan Gosling et Emma Stone a reçu l'Oscar du meilleur réalisateur ? La La Land. C'est une bonne réponse. Quel film de Miloš Forman dans lequel Jack Nicholson joue un résident d'hôpital psychiatrique a été récompensé ? Vol au-dessus d'un nid de coucou. C'est une bonne réponse. Dans quel film de Kevin Costner ayant reçu l'Oscar du meilleur réalisateur en 91, un officier nordiste décoré de la guerre de sécession abandonne-t-il la civilisation pour aller vivre avec les Sioux ? Danse avec les loups. Mais bien sûr, évidemment. Martin Scorsese a été nommé 9 fois pour l'Oscar du meilleur réalisateur, mais ne l'a remporté qu'une seule fois en 2007. Quel film présentait-il ? Apocalypse Now ? C'est une mauvaise réponse. Quel film de Alfonso Cuarón lui a permis de devenir le premier réalisateur oscarisé dans cette catégorie pour une œuvre non anglophone ? Je passe. Quel réalisateur est le seul à avoir reçu 4 fois l'Oscar du meilleur réalisateur ? Cameron, je sais pas. Quel film coréen sorti en 2019 ? Attends, celui-là, je l'ai, c'est les... Comment il s'appelle, cette merde, là ? Parasite. J'ai pas partagé l'enthousiasme, notamment de Thomas, qui crie au génie. J'ai regardé, c'est bien fait, c'est prenant, il y a du rebondissement, c'est surprenant, pas, voilà, c'est mais pas... de là, crier au génie, j'ai pas spécialement... Au génie. Mais par contre, j'ai passé un bon moment. Vas-y, redis. Donc c'est Parasite, le troisième c'était
Tu parlais de quoi? Des Croods 2 là? Seigneur des Anneaux, troisième saison. C'est le retour du roi. Ouais, le retour du roi. Danse avec Louis Stébon. Alors, Martin Scorsese qui a été nommé 9 fois pour l'Oscar du meilleur réalisateur, il a remporté qu'une seule fois en 2007, c'était pour Les Infiltrés. Les Infiltrés 2007. Un excellent film, ouais. Évidemment. Les Alfonso Cuarón, c'était pour Roma. Voilà. J'aurais eu deux. Faut savoir. Et qui est sur Netflix, je crois. Et réalisateur qui est le seul à avoir reçu 4 fois l'Oscar du meilleur réalisateur, justement, le seul, c'est. Spielberg. John Ford. Eh ben, bien joué, lui. Ah, bah, il est bon. Rien à voir avec les voitures. On est à, qui en deuxième? C'est Hugo, je crois. C'est dans ses examens. C'est moi, je vais prendre un invention et inventeur. Le petit inventeur suisse. En vrai, autour des châteaux, mort, j'en connais pas un, par le château de Versailles. Les châteaux et forts, Amazon par contre, Prime, The Boys. Et voilà. Tu vas prendre les châteaux, Hugo? Non. Ah non. Ah, va bien te faire foutre. The Boys. Tout est possible, encore une fois. Tout est possible. Ouais, sans la streak, c'est dur. Hein. 90 secondes, inventeur et invention, c'est parti. 3, 2, 1, on y va. Quelle arme de poing a été inventée par Samuel Colt? Le revolver. Oh, c'est une excellente réponse. Comment s'appellent les frères français à qui l'on attribue l'invention de la cinématographie? Lumière. Les frères Lumière, c'est une excellente réponse. Quel scientifique anglais aurait développé la loi universelle de la gravitation après avoir pris une pomme sur la tête? Mais ça, c'est une question tous les jours. Hein. C'est Newton? C'est une bonne réponse. Quel appareil a été inventé par Graham Bell en 1876? Téléphone. C'est une bonne réponse. Quel scientifique français a inventé le vaccin contre la rage? Donc ça, c'est la cinquième question, le vaccin contre la rage. Mmh. Vas-y, Pasteur, ça dégoûte. Ouais, bah fallait le prendre tout à l'heure. Allez, quel dispositif créé entre autres par Jacques Cousteau permet à un plongeur d'évoluer librement en plongée avec une réserve de gaz respirable comprimé? Les paliers de décompression. Mauvaise réponse. C'est très simple. Quelle technique ayant pour but d'explorer l'inconscient a été inventée et pratique par Sigmund Freud? La psychanalyse. Une bonne réponse. À quel inventeur germanique de la Renaissance doit-on l'invention des caractères métalliques mobiles, donnant naissance à l'imprimerie en Europe? Oh, Gutenberg. C'est une bonne réponse. Quel agrume a été inventé par le botaniste Vital Rodier en croisant naturellement deux agrumes déjà existants? La clémentine. C'est une bonne réponse. Comment s'appelle le vaccin anti... Antituberculeux. Antituberculeux, ouais, vous. Mis en place par le médecin Albert Calmette et le vétérinaire Camille Guérin. Je passe. Et on revient sur quel dispositif créé, entre autres, par Jacques Cousteau. La bouteille d'oxygène? C'était le scaphandre. Ah, bien joué. Franchement, Xari. Bravo. Ça méritait la streak. Parce que autant au début, c'était facile, autant les 5 dernières, elles étaient pas évidentes. Abattu, là, Pasteur. Bien joué, mec. Le Pkini, qui connaît ça, là? Ça dégueu. Et du coup, l'antituberculeux, pardon, j'avais bugué là-dessus, c'est tout simplement le BCG. Je l'aurais pas eu. Le BCG. BCG. Voilà, faut le savoir. À fond, j'aurais pu le trouver si j'avais eu un peu de temps, mais le c'est BCG. C'est pas grave. Je réponds. Hugo. Série Amazon. Hugo, série Amazon. Il choisit pour moi. Oui, bah merci. Non, il prendra jamais château. The Boys. Non, mais. Tu préfères les châteaux? Non. C'est son choix. Châteaux, c'est trop tard. Je suis obligé d'accepter. Je suis tilté, non. 3, 2, 1, let's go! Quel humoriste et youtubeur français a récemment sorti son spectacle de la maturité? Oh, Norman Tavo. Oh, c'est une bonne réponse. Quelle série Prime Video met en scène un analyste financier ne pouvant pas se rendre au Yémen? C'est Jack Ryan. C'est une bonne réponse. Quelle série Prime Video adaptée d'un comics met en scène des super... The Boys! C'est une bonne réponse! Let's go! Quelle série Amazon originale peut-on voir Sir Patrick Stewart reprendre son rôle de Jean-Luc Picard? Ah, Star Trek. Ouais, bien Star Trek, Picard. Picard. Quelle série originale Prime Video met en scène un groupe d'adolescents luttant pour leur survie après avoir échoué sur une île déserte suite à un crash d'avion? Lost. Une mauvaise réponse. On dirait, hein. C'est exactement le pitch. C'est vrai que le pitch, il ressemble à beaucoup de séries. Quelle série DC Comics raconte l'aventure d'Abby Arcane enquêtant sur un mystérieux virus mortel né dans les marais d'une petite ville? Le marais en a marre. Putain, c'est quoi déjà? Le marais en a marre. The Swamp. The Swamp Thing. Voilà. Yes. Dans quelle série Amazon originale peut-on voir Al Pacino chasser les nazis? The Hunters. Bonne réponse. Quelle série adaptée d'un livre de Philip K. Dick et produite par Ridley Scott met en scène un monde où le Japon et l'Allemagne régneraient en maître sur les États-Unis? The High Castle. The Woman in the High Castle. The quoi? The Man in the High Castle. On la donne sur le fil. Dans quelle série peut-on voir Orlando Bloom et Clara Delevingne évoluer dans un monde victorien fantastique peuplé de créatures mythologiques? Salut. Une série pas mal, celle-là. Aucune idée pour le coup. Les Winx. Carnival Row. Carnival Row, qui était une série, ma foi, pas mal. Pas les Winx. En vrai, vu qu'on a beaucoup de pubs des séries, oui, c'est ça mal fait rentrer. The Swamp Thing, hein. Ouais. J'aurais jamais eu ça sur Twitch. Sans la pub, c'est comme Jack Ryan, moi. Sans, ah oui, pareil. Mais je ne peux pas aller au Yémen. J'ai analyse finance.
sorcier. Attends, mais Storm Thing, c'est pas un méchant dans Batman, ça? Le marais. J'en sais rien, mais je sais juste que j'ai vu le trailer. Juste un méchant dans DC, ouais. Du coup, Carnival Row, tu l'as pas eu. Et la dernière question, c'était quelle série de documentaires sportifs Amazon Vidéo se concentre sur les coulisses du club de football et football américain dont la saison 2020 suivait les Tottenham Hotspur. C'était All or Nothing. Oh. Vous voulez vraiment retourner dans le froid. Et en fait, t'as été très bon. Il y a... Alors, la série originale Prime Vidéo qui m'a enseigné un groupe d'adolescents luttant pour leur survie, c'était The Wives. C'est Lost Kids. Ouais, c'est quoi. Exactement voilà. Bah, hey, tu marques du point là ici. Tu nous fais combien très, premier très là bien. Pour l'instant. Tu nous fais 7 points. 7 points là ici. Hein. Oh. Prop. Max qui est à 12. Max qui est à 12. Ah, qui c'est peut autour des châteaux. Faut qu'il fasse 5. Autour. Sinon, c'est lui qui va. Ce qu'il y a, c'est que vu que c'est un quiz dur. Là, je lis rapidement. Si Max ne fait pas au moins 9, je ne comprends pas. Ta gueule. En vrai, c'est que vu que c'est un quiz dur de base, tu te dis c'est trop dur. Alors que ça peut être simple. Autour des châteaux, il va y avoir un peu de géographie. Et là, je suis mort. En vrai, c'est facile. Je suis nul. Ça se trouve, ça va être château de Castlevania 3, et tout. 2, 1. Comment s'appelle la plus grande tour d'un château fort? Le donjon. C'est une bonne réponse. Oh bah, c'est trop dur. Elle est rempli dur, hein, d'eau et entourant le château. La douve. Une bonne réponse. Oh la vache. Dans quel château français peut-on visiter la galerie des glaces? Versailles. Et d'où tu sors bonne ça? Bonne réponse. Quel fleuve français est parfois surnommé fleuve royal pour le grand nombre de châteaux qu'il aborde, comme le château de Chinon. Le bah, château de Chinon. C'est une bonne réponse. Oh. Quel roi de France a fait construire le château de Chambord? Ah. Ah, ça commence à être chiant là. J'en sais rien, Louis XIV. Il n'y a pas de soucis, c'est pas lui. Comment appelle-t-on une personne possédant un château? Un châtelain? Bah, ouais. C'est la question 6, ça. Comment s'appelle la fine ouverture, ta gueule? La fine ouverture d'une muraille permettant d'observer les ennemis. Une meurtrière. Bien sûr. Oh, ouais, quoi servent les machicoulis? Les machicoulis, j'ai à faire couler de l'huile. Ouais, j'en sais rien. Ouais, donc... À contrer un assaut C'est jeter des projectiles. Arrête de lui donner des points, là. J'ai pas. Comment s'appelle la structure en bois construite par-dessus les murailles formant une sorte de balcon protégeant les archers? Ça, c'est dur. J'ai pas. Enfin, faut s'en souvenir. Bah, heureusement. Ouais. Quelle statue royale surmonte la porte d'entrée du château de Blois? Salut, mon... Non, j'ai aucune idée. Et quel sur quelle lettre y a-t-il un accent circonflexe? Quel roi de France a fait construire le château de Chambord? Premier. Allez, tente. Henri IV. C'était oui, mais non, je vais pas tricher. Mais, bien sûr, c'était Bernard Tapie, dommage. Bon, en fait, t'as touché, tu peux plus les avoir. C'était Bernard Tapie. Les machicoulis servent à jeter des projectiles du haut d'une tour / muraille. Bon, t'as dit jeter de l'huile. Ouais, pour moi, c'était ça. Mais ok. Du coup, machicoulis. François Ier. Machicoulis. Non, j'ai pas. Alors, comment ça s'appelle la structure en bois construite au-dessus des murailles qui forme une sorte de balcon qui protège les archers? Un éventail. Non, c'est le our. Le our. H-O-U-R-D, ça c'était très technique. Non, mais je pensais que ça allait être que des trucs de château et machin. Bah, pareil. Et là, ça dit, ouais, à force de penser, les gars, personne n'est philosophe ici. Donc à un moment, faut avoir les couilles d'y aller. Remarque, je ne dis plus un mot depuis 10 minutes. T'as bien raison. Quelle statue royale surmonte la porte d'entrée du château de Blois? C'était Louis XII, le plus connu. Ah ouais, bah, c'était pas si loin, hein. Mais du coup, si loin, ça s'écrit Max, comment, machicoulis? Max, félicitations. Bah, machicoulis comme dans la famille pirate. Machi, et après coulis comme coulis. Moi, j'ai déjà fait des maxicoulis, mais machicoulis, j'ai jamais vu ça. C'est M-A-C-H-I-C-O-U-L-I-S. Ils rigolent. D'accord, la merde. Machicoulis. Je crois qu'en effet, aujourd'hui, Max s'envole très très haut. Bravo, Max. Bien joué, Max. Merci de m'avoir laissé les bons quiz. Voilà. Et Erwan, on peut le dire, honteux cette semaine. Mais tu vois, je suis arrivé en flambant, je vais vous baiser et tout, ben voilà. faut que j'arrive à un bloc simple. Clac, clac. T'as fait le rang de flamme dès le début. Tu as l'image de ton club de foot. Claqué au sol. Oh, oh, papa, qui sait, me faire chambrer par des mecs qui n'ont jamais eu la moyenne en sport, c'est quand même J'ai eu 20 au bac. Je parle de toute la régie comprise, hein. J'ai eu 20 au EPS au bac. J'ai eu 21. Il est là, il dit quoi le mec, il est pour Dijon, frère, de quoi tu me parles? Je suis pas pour Dijon. Le mec, c'est ta ville ou c'est pas ta ville? Je suis pour la JDA Dijon au basket, mais au foot j'en ai rien à foutre. Il joue dans un gymnase où il y a un mur d'escalade derrière. Ouais, hein. Oh la ref. J'ai cette image en tête. S'ils sont dans les premiers, oui. C'est facile de tirer sur l'ambulance, t'inquiète pas, on reviendra plus fort. T'inquiète pas, petit tout, on t'oubliera pas. Tu crèmes des gays. Cavalier. Pas de tout.
Bon, Xarit, est-ce que tu vas t'en remettre? Je ne sais pas, il te reste 2 minutes 30 pour nous, pour nous faire marrer. Oh, il m'a mis au sol, là, tel Teddy Riner. Il m'a détruit. Allez, oui, c'est parti pour la vidéo, Tu peux mettre. Le coup de l'escalade. il m'a bien eu. Et tu sais que Dijon, c'est quand même marqué sur le palais des sports, la ville la plus sportive de France. Hein. Ah, Awali qui nous dit il n'y a pas de mur d'escalade, malheureusement. Non, mais c'est une manière de. C'est une blague. C'est une manière de parler quand on dit qu'on joue dans des salles où il y a des murs d'escalade, mais il faut être un peu du Serail basket. Hein. Ouais, bien sûr. Non, on va parler rapidement de cette hache dont j'avais parlé. C'est Old As Fuck, évidemment, mais j'avais parlé. C'était vendredi, vous n'étiez pas là. Mais j'avais parlé d'une hache. Tu sais, qui avait été, entre guillemets, inventé pour justement mieux... J'étais là et je m'en rappelle plus. Bah, c'est peut-être pas vendredi. Mais en gros, voilà, parce que non, mais il y avait des gens qui étaient en mode, ah, c'est quoi la hache, machin. Et juste, j'ai retrouvé, en gros, et pourquoi c'est... En gros, une hache ne sert pas à trancher, ça sert à... Séparer les fibres de bois. Et en gros, cette hache, c'est pas du tout inopé, hein, au cas où, on sait jamais. Mais cervicales aussi, hein, ça peut servir. Mais en gros, il y a un poids sur la hache, c'est ce qui fait que dès que ça touche, en gros, le poids fait que la hache part sur le côté et donc du coup sépare plus les fibres. Voilà, c'est juste pour faire une. Oh la vache, efficace, hein! Une illustration de ce qu'on avait, de ce qu'on avait dit. Et en fait, ça permet de couper avec moins d'efforts, tu vois. Moins d'efforts, donc voilà, pour ceux qui voulaient savoir. Pour les bûcherons. On coupe du bois depuis milliers d'années. Et non, il a fallu inventer ça maintenant. Bien joué, les gars. Vu la qualité d'image, c'était pas hier. Hein, par contre, je pense. Ouais, mais quand même. Il y a eu une petite erreur là sur la vidéo de je ne sais pas pourquoi. Tu peux mettre la 3, c'est le nouveau sport à la mode chez les pompiers. Le bowling. Le bowling tuyau. Et en vrai. Pas mal, on s'occupe. Hein, voilà, c'est genre. Voilà, j'ai l'impression que c'est une épreuve officielle des jeux des pompiers, tu vois. Parce qu'il y avait vraiment plusieurs. Bien trouvé. Ouais, c'est bien trouvé. Mais c'est moins impressionnant que les mecs qui montent à l'échelle à fond, quand même. Ouais. Effectivement. Les amis, il nous reste une vingtaine de secondes, juste le temps pour moi de vous dire, eh bien, bonne soirée sur le stream, puisque dans quelques instants, c'est le stream challenge. Et on vous le rappelle, pas de Discord ce soir, qui aura lieu demain à 20h30 pour sa dernière édition. On vous donne plus de nouvelles sur ce qui se passera le soir. Très bientôt. Bonne soirée sur le stream. Très bientôt. Ciao. Je sais pas.